Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles qui porte plus que jamais bien son nom avec l'invité que nous allons recevoir ce soir. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier, vous tous qui nous regardez, d'être chaque semaine toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Plus de 100 000 abonnés en 4 mois, c'est juste incroyable. Alors vraiment, du fond du cœur, un immense merci pour votre soutien, vos commentaires, vos pouces levés. La petite équipe que je représente, vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes fiers de ce soutien et de ce succès. Alors forcément, un tel succès qui est donc le vôtre, ça devait forcément commencer à déranger, et plus encore compte tenu des invités à qui justement nous donnons la parole. J'aurai d'ailleurs l'occasion dans les prochains jours de m'exprimer à ce sujet. Une chose est certaine, en dépit des pressions, n'en déplaise à certains, nous continuerons justement de la donner, cette parole, à ceux que nous choisissons librement d'inviter et à qui nous pensons donner la parole. Et le droit de s'exprimer n'est pas seulement qu'une liberté, mais un devoir. Il est aussi au passage triste de devoir rappeler à certains de nos détracteurs que donner la parole à quelqu'un ne signifie pas forcément être d'accord avec ce qu'il dit. Voilà donc pour la petite mise au point. Alors l'invité que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'il est définitivement incorrectible. Son combat depuis 20 ans, c'est de, je cite, « défendre le rapprochement des peuples tout en soutenant l'indépendance totale de l'Afrique ». Ses détracteurs, il en a lui aussi, sont nombreux. Ça déjà m'a donné envie de le recevoir. Il est président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Il est une des figures de proue du panafricanisme moderne, célèbre pour son activisme anticolonialiste, militant, né à Strasbourg, bête noire des gouvernements français successifs. Il est souvent comparé à Malcolm X, rien que ça, par ceux qu'il connaissent de longue date et suivent ses nombreux combats. Il est de passage quelques jours à Paris avant de revenir au Bénin. Il s'est exprimé récemment, notamment sur la guerre en Ukraine, dont on va bien sûr largement parler dans cette émission. Bref, il a beaucoup de choses à nous dire. Kémy Séba, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Alors, Kémy Séba, je vous propose pour commencer d'entrer immédiatement dans le cœur de l'actualité en nous intéressant au sujet qui occupe tout l'espace médiatique en ce moment. Je pense évidemment au conflit, à la guerre, puisque c'est le terme employé, qui oppose désormais depuis plus d'une semaine l'Ukraine à la Russie. Alors, vous avez publié il y a quelques jours sur les réseaux sociaux une vidéo très remarquée sur ce sujet. C'est d'ailleurs cette vidéo qui m'a donné envie de vous recevoir. Une vidéo de quelques minutes où vous tentez de remettre les points sur les i, selon vous, et où vous donnez donc votre vision de ce conflit, loin du traitement médiatique qui peut en être fait dans tous les médias dits mainstream, que vous appelez donc, je vous cite, médias mensonges. Alors je vous propose peut-être que nous partions de cette vidéo pour approfondir certains points, car votre approche est totalement différente de celle que l'on peut entendre traditionnellement, et je dirais même qu'elle est renversante, au sens où vous donnez une vision exactement contraire à celle qui est aujourd'hui largement admise en Occident. Vous faites un parallèle dans cette vidéo, notamment entre le dépeçage de l'Union soviétique dans les années 90, à la suite de la chute du mur de Berlin, et le découpage et l'appropriation de l'Afrique par l'Occident lors de la fameuse conférence de Berlin qui s'est tenue en 1885. Alors est-ce que vous pouvez, Kémy Séba, nous expliquer cette comparaison qui est pour le moins surprenant. La vie est faite de... Déjà, je vous remercie pour cette invitation. La vie est faite de paraboles, et les paraboles n'ont de sens qu'à partir du moment où nous sommes capables de trouver des points communs de côté, du côté de chaque segment. Il est évident que la situation de l'Union soviétique et du continent africain qui n'avait rien demandé de son côté ne peut pas être prise dans sa globalité en termes de comparaison. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dépeçage des uns comme des autres venait de la même élite, non pas le bas-peuple d'Occident, mais l'oligarchie d'Occident. Toujours important de différencier le bas-peuple, le prolétariat occidental, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, à qui on ne demande rien, qui lui-même a un traitement d'esclave, de manière générale, vis-à-vis de ses élites globalistes néolibérales, et de l'autre côté, cette élite dont je viens de parler, qui, que ce soit pour détruire, déconstruire, dépecer, découper et humilier l'Union soviétique d'un côté, ou pour se partager les diverses parties du gâteau du continent africain, dans les deux cas, ils ont fait preuve, excusez-moi, de voracité. Et c'est un constat que nous sommes obligés d'établir, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il y a une totale... C'est pour ça que si la vidéo a été aussi virale et si elle a autant touché des gens en Afrique francophone, ou ainsi que dans la diaspora francophone, et même au sein d'une certaine quantité de gilets jaunes et de prolétaires français et européens de manière générale, c'est parce que ce que nous disons, c'est du domaine du bon sens populaire. Simplement, quand on prend des segments
comme certains dans un des réseaux les plus néolibéraux qui existent sur cette planète, qui est Twitter, hein, qui est aujourd'hui le symbole tendance de l'extraction d'un raisonnement global. On essaie de simplifier souvent pour le caricaturer, on arrive à faire dire le contraire de ce que quelqu'un dit, mais je ne prends pas garde et je ne prête pas d'attention aux gens qui veulent réduire une pensée au niveau de la petitesse de leur esprit. Notre démarche est simple, nous en avons marre de l'arrogance d'une petite élite qui ne respecte ni son peuple occidental et qui respecte encore moins les autres peuples du monde. J'ai pris un livre qui résume profondément, qui est l'un des livres qui m'a le plus éclairé dans ma vie lors de ma première peine de prison en 2007, incarcéré pour mes opinions politiques, on y reviendra peut-être, qui s'appelle « La crise du monde moderne » de René Guénon. J'encourage tout le monde à lire cet ouvrage. C'est un blanc, un visage pâle comme on dit dans certaines contrées du monde, mais qui avait compris énormément de choses sur le monde que nous traversons et dans le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde-là est symbolisé malheureusement aujourd'hui par cette oligarchie occidentale, par ce globalisme néolibéral. L'arrogance de l'Occident vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, excusez-moi, c'est quelque chose dont on doit être capable de parler. Je peux vous laisser rebondir si vous voulez ou je peux continuer. Je reviens à ma question. Est-ce que vous ne pensez pas quand même plutôt, contrairement à ce que vous venez d'évoquer, que la dislocation de l'Union soviétique qui a suivi la chute du mur de Berlin en 89 correspond justement, pour l'Afrique, à l'épisode de la décolonisation? En d'autres termes, les Russes n'étaient-ils pas vis-à-vis de ces pays d'Europe de l'Est dans la même position que les pays occidentaux vis-à-vis des Africains, à savoir des colonisateurs, selon vous? Moi, je pense, quand on voit le résultat aujourd'hui, que ces différentes républiques morcelées, créées ou recréées, ou qui sont réapparues à la surface du globe, ne l'ont été que pour les intérêts occidentaux, de la même façon que dans certaines contrées du monde, quand il y a des révolutions de couleurs, on a parlé des printemps arabes, on a parlé des révolutions made in Soros et tout ce qui s'ensuit, il y a aujourd'hui une nouvelle méthodologie dans la façon d'agir de l'oligarchie occidentale. On parle de l'impérialisme de la vertu. On vient avec les vertus de justice, de partage, d'égalité, de fraternité, du droit du peuple à pouvoir décider de sa propre destinée. C'est ça le comble de cette élite prédatrice qui pille les ressources des peuples aux quatre coins du monde. C'est de se présenter comme une élite justicière. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Kadhafi était un oppresseur de son peuple. Et donc, ils sont venus pour tuer Kadhafi qui était quelqu'un qui asphyxiait sa propre population. Le résultat, aujourd'hui, on le connaît. Ils ont détruit la Libye. Kadhafi a été assassiné. On est en train de constater des années après, en tout cas ceux qui ne le comprenaient pas à l'époque, nous on le comprenait pour être objectif, que malheureusement Kadhafi était, ou heureusement était l'un des plus grands protecteurs de son peuple, à bien des égards, que ça plaise ou pas. Le problème c'est que quand l'histoire est racontée par le chasseur, on n'a pas la version de l'histoire du lion. Il y a beaucoup plus de gens dans tous ces pays en Europe de l'Est qui se sentent proches de ce que fait la Russie aujourd'hui qu'on veut le faire entendre. Le monde ne se réduit pas à France 24, à BFM, à RFI et à tous ces médias qui donnent une grille de lecture de l'histoire. Nous voyageons aux quatre coins du monde avec notre ONG, en Amérique du Sud, en Afrique en majorité, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est. Et je peux vous assurer que la perception du monde promue avec force, avec une campagne médiatique qui dépasse l'entendement. Et ils sont forts dedans. Je veux dire que quand on a une élite occidentale qui maîtrise les images, qui maîtrise la communication, eh bien, ils peuvent vous faire passer, comme le disait Malcolm X, les bons pour les mauvais et les mauvais pour les bons. Ce que nous savons, et j'insiste dessus, nous sommes les mieux placés pour en parler par rapport à la souffrance de notre peuple, la colonisation africaine, le découpage via la conférence de Berlin en 1884 et 1885 ne peut être, comment dirais-je, comparé dans son intégralité à rien. Mais ce que nous comparons, c'est l'arrogance occidentale qui pense pouvoir découper de part et d'autre différentes parties du monde pour ses propres intérêts, parce que nous ne nous trompons pas. En disloquant l'Union soviétique, on était dans une confrontation entre deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, le capitalisme contre le communisme, ils ont vaincu le communisme et le capitalisme qui a muté dans sa forme ultime qui est le globalisme néolibéral, et aussi bien économique que sociétal, on y reviendra peut-être, est devenu la forme ultime aujourd'hui de la façon de vivre de l'être humain dans sa globalité. Et ceux qui refusent cela, ceux qui veulent préserver leur tradition, ceux qui veulent préserver leur identité, ceux qui pensent qu'il est nécessaire de se préoccuper de leur bloc civilisationnel, sont présentés comme des populations arriérées, des populations reculées, qui sont pas en adéquation avec le monde moderne, comme si la modernité qui nous était présentée était la règle absolue de vie dans cette humanité. Je pense qu'il y a des questions et des réflexions de fond à faire pour qu'on comprenne véritablement le monde dans lequel on est et qu'il y a une matrice médiatique, politique et économique qui essaie d'imposer son schéma de société au reste du monde, et tous ceux qui lui résistent sont diabolisés
et réduit ad Hitlerium, si on veut présenter les choses telles qu'elles sont. Alors justement, vous pensez véritablement, vous, que les pays occidentaux considèrent les peuples de l'Est de l'Europe, les peuples slaves, comme des sous-hommes? Mais ils les considèrent comme des vassaux, de toute évidence, et c'est d'ailleurs… C'est exactement la façon dont Hitler, précisément, parlait de ces populations, et de considérer véritablement les peuples slaves comme des sous-hommes, voués à n'être que des esclaves. Hein. Mais… Aujourd'hui, ce sont des outils, ce sont des instruments, ces populations, ces petites républiques, qui visent à encercler, à entourer et à contribuer à faire monter la pression vis-à-vis de celui qui est leur principal problème dans cette région, qu'est Vladimir Poutine et la Russie. Il est très important de dire qu'il n'y a pas de groupie de Vladimir Poutine ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai à reprocher à ce dernier, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je suis très loin d'être aligné complètement sur ce dernier. Il a sa façon de voir les choses, il a son agenda, nous on se bat pour notre population sur le continent africain et dans sa diaspora. Mais maintenant, il y a une chose que nous constatons. Pas que c'est quand même pas un peu simpliste quand même. C'est, moi, je pense comme que vision c'est votre, géopolitique. Je pense que votre réflexion est profondément simpliste et profondément, sans vous manquer de respect aucun, comme je le fais de manière générale avec tout le monde, je respecte tout le monde a priori, mais vous avez une vision qui est très enracinée dans la perception médiatique qui est répandue dans les médias occidentaux majoritaires. Mais est-ce que vous êtes parti déjà voyager, vous êtes parti visiter ces régions du monde? Moi, oui. Je ne parle pas à partir de ce que dit Rutel Krief ou de ce que disent France 24 ou de ce que disent RFI. Nous faisons des démarches et des travaux de terrain. Nous ne sommes pas dans la fantasmagorie cachée derrière notre… Oui, mais justement, qu'est-ce que vous répondez? Et ce que nous disons à ces gens-là, c'est que quand vous voulez comprendre une histoire, vous ne pouvez pas résumer une histoire à la seule conclusion. Une histoire, c'est une introduction, c'est un développement, c'est une conclusion. Vous ne pouvez pas parler de la Russie en disant le méchant agresseur russe vis-à-vis du peuple vaillant opprimé ukrainien sans résumer que le début de l'histoire, c'est que… Et on peut même aller très loin si on veut aller au début de l'histoire. On peut parler de la Russie kiévienne si on veut aller loin, au 9e siècle. On peut parler aussi de l'Union soviétique disloquée. On peut parler aussi de 2014 avec un président. Okay, oui, j'aimerais juste qu'on s'arrête une seconde. Qu'est-ce que vous répondez justement précisément à ceux qui vous accusent de vouloir défendre coûte que coûte Vladimir Poutine et la Russie, peut-être par admiration de ce chef charismatique ou par nostalgie de l'Union soviétique? Il y en a beaucoup qui disent ça. Enfin, beaucoup, ils sont pas plus nombreux que tous ceux qui véhiculent la vidéo en disant en Afrique ou partout dans la diaspora qu'on a raison. Il faut toujours regarder les choses dans son véritable nom et sa véritable proportion. Moi, ce que je vous dis… – Vous l'admirez, Vladimir Poutine ?– Je fais partie des premiers qui, quand des gens dans les manifestations en Afrique lèvent des drapeaux russes en disant « venez nous soutenir », je dis « faisons preuve de dignité ». La souveraineté, c'est un processus intégral qui doit être mené par nous-mêmes. On peut avoir des partenariats divers, multiples et variés. Et ça, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Moyen-Orient, en Europe de l'Est, c'est ça la géostratégie. Mais je l'ai dit à de multiples reprises, je pense que je suis la voix panafricaniste qui l'a le plus dit dans cette période contemporaine, la Russie ne sera jamais notre messie et Poutine ne sera jamais notre messie. Donc une fois que j'ai dit ça, ceux qui font exprès d'être dans la mésécoute, ou dans la non-écoute ou dans l'oubli de soi, sont des personnes avec lesquelles je ne vais pas passer mon temps à débattre. Ça ne sert à rien de débattre avec des gens qui font semblant de pas comprendre. Enfin, il y en a très peu qui, comme vous, ne soulignent quand même pas, on va dire, toute la version qu'on a en écoutant tous ces médias mainstream que l'on a en Occident. Vous devriez tendre l'oreille sur ce qui se dit en Afrique, parce qu'en Afrique, majoritairement, ma voix est partagée par beaucoup d'autres. Tout le monde le sait. Il y a les présidents marionnettes qui sont impopulaires vis-à-vis de la plupart de leurs peuples sur le continent africain, qui sont tenus en laisse, qui sont tenus en laisse par l'Union européenne, qui sont tenus en laisse par les États-Unis et par les finances de ces derniers, qui vont japper comme malheureusement des animaux de compagnie et dire exactement ce que l'Élysée et autres ou la Maison Blanche veut entendre, ou ce que ces deux entités veulent entendre. Mais maintenant, les masses populaires africaines, il faut vous pencher sur ce qu'elles disent aujourd'hui vis-à-vis de ce conflit. On va y revenir à ça un peu plus tard. Mais sur Vladimir Poutine, quel bilan vous faites de lui? Est-ce que vous considérez que c'est un des plus grands dirigeants, un des chefs d'État, un des plus importants à l'heure actuelle? Je ne suis pas le VRP de ce dernier. Je sais aussi que ce même Vladimir Poutine est quelqu'un qui soutient parfois des mouvements politiques profondément au silo noir. Non, mais c'est pour ça que… Non, vous parlez de Wagner, parce que Wagner n'est pas différent de Blackwater, n'est pas différent des légionnaires français qui viennent en Afrique faire des coups d'État, assassiner, violer des enfants et tuer des gens. Donc, laissons Wagner, arrêtons cette diabolisation made in RFI. Et je vous le dis, c'est pas contre vous que je dis ça. Je m'adresse véritablement à l'intoxication médiatique qui est donnée. Wagner, j'ai des reproches à leur faire. Si je les fais, c'est pas à vous ou aux Français que je vais les faire. Je les ferai à Wagner eux-mêmes. Voilà. Une chose que je sais, c'est qu'ils sont pas pires et n'ont pas le sang sur les mains aujourd'hui que les légionnaires français ont depuis la période de la décolonisation. Parlons-en avec sincérité, avec un minimum d'humilité. Et sur Vladimir Poutine, vous lui reconnaissez maintenant quelques qualités? Vladimir Poutine, c'est un caillou vis-à-vis du nouvel ordre mondial qui est installé par… Et quand on parle de nouvel ordre mondial, on parle de l'oligarchie occidentale qui essaye d'uniformiser le monde dans
dans le cadre de sa propre perception. La simplification, c'est la version BFM et France 24, c'est pas ce que nous disons. Nous sommes dans une complexité parce que nous constatons qu'aujourd'hui, si vous ne vous accolez pas à la réalité du monde promue par l'élite d'Occident, l'élite américaine, l'américanisation du monde, si vous ne rentrez pas dans ce schéma-là, si vous commencez à dire que vous voulez préserver votre culture, que vous voulez préserver votre identité, vous voulez préserver votre paradigme historique de manière générale, on vous dit que vous êtes une population, vous êtes des gens arriérés. Bien, Poutine dit qu'il veut préserver son schéma civilisationnel, c'est son droit. Ce qu'il fait maintenant, sa manière de gérer la vie politique dans son pays, je pense, sans trop me tromper, que c'est le président le plus populaire depuis l'effondrement du mur de Berlin, de Russie, et même ses adversaires le reconnaissent. Donc, maintenant, je ne suis pas russe, je ne suis pas citoyen russe, j'ai d'autres préoccupations. Comment les Africains sont traités en Russie? C'est une question intéressante, c'est un sujet qui est relativement peu abordé par les médias, on préfère souvent parler des minorités LGBT et j'en passe. C'est vrai, ben, je vais vous répondre très clairement, pour bien connaître la Russie, pour bien connaître d'autres pays aussi. Il y a des pays qui n'ont pas le passif de l'esclavage et de la colonisation, et donc dans lesquels il y a moins de populations noires qui sont présentes. En France, certains vont dire que les Noirs ont une vie plus paisible. C'est pas qu'ils ont une vie plus paisible. Ceux qui ont connu les violences policières, ceux qui les connaissent encore aujourd'hui, ceux qui sont maltraités à différents endroits, vous diront que ce n'est pas si simple que ça de vivre en France. Néanmoins, parce qu'il y a un compagnonnage et une connaissance du monde africain qui est quand même plus présente en France, en Occident qu'en Europe de l'Est, puisque eux n'ont pas colonisé, n'ont pas esclavagisé comme la France ou comme les États-Unis ou l'Angleterre l'ont fait, eh bien, ils ont le rapport de populations qui ne connaissent pas d'autres populations, et donc il y a une xénophobie qui est présente à certains endroits, qui est réelle, de gens qui viennent découvrir une population et avec laquelle ils n'ont pas forcément envie de se mêler. Et ça tombe bien, j'ai pas forcément envie de me mêler aux Russes ad vitam aeternam. La seule chose qui nous intéresse, parce que nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des Africains qui défendons notre identité, c'est simplement une coordination géostratégique pour qu'il y ait une certaine multipolarité. Il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Ça ne peut pas être que l'Occident, ou du moins les États-Unis, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne et la France sont le toutou des États-Unis malheureusement, ce qui n'est pas le cas du bas peuple, hein, qui défend sa civilisation, qui défend son identité. Vous allez en Bretagne, vous allez en Normandie, vous allez dans certaines contrées françaises, les gens sont attachés à leur terroir. Et moi je respecte profondément cela. Mais maintenant les élites sont complètement avalées par l'oligarchie américaine, qui propose un way of life qui est adapté à ses canaux, à ses perceptions du monde, et qui est imposé au reste de l'humanité. Ceux qui suivent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés du progrès, et ceux qui refusent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés barbares. Je trouve que le simplisme n'est pas de notre côté, mais il est du côté de l'élite occidentale qui, et je le dis et je le répète, persécute y compris son propre peuple. On l'a vu avec les valeureux gilets jaunes qui constituent une mouvance que je respecte profondément. Petit aparté, Kimi Seba, la façon dont Poutine traite la problématique de l'islam, est-ce que c'est un exemple selon vous? Je rappelle que, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Russie compte environ 20% de musulmans dans sa population, soit près de 30 millions de Russes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Écoutez, il faudrait demander à des spécialistes russes de l'islam. Il y a des gens musulmans russes qui sont avec Poutine, il y en a d'autres qui sont contre. Moi, je n'ai pas aimé certaines choses qu'il a fait vis-à-vis des Tchétchènes. Je ne vais jamais le cacher. Et la géopolitique, c'est pas les feux de l'amour. C'est à un moment donné, c'est la politique de l'émotion dans laquelle certains voudraient nous engluer, mais ça ne marchera pas avec nous. Il y a des choses que Poutine a fait vis-à-vis de certains Tchétchènes qui sont inadmissibles à mes yeux. Et je vous le répète, Poutine n'est pas mon papa, il est le papa peut-être de certains, vous ne me verrez jamais brandir un drapeau russe. Par contre, je sais reconnaître ce qui est fort, Kadyrov et d'autres Tchétchènes et d'autres musulmans russes. Vous dites dans votre vidéo, juste pour terminer, ils sont certains Russes et certaines personnes sous influence russe sont musulmans, d'accord, en Europe de l'Est, et respectent profondément Poutine. Donc, il faut pas toujours sortir la partie qui intéresse les gens qui veulent diaboliser la Russie et oublier l'autre. Il faut parler des choses dans leur globalité, dans leur complexité. Et je répète, je le dis que Poutine, à l'heure actuelle, est quelqu'un qui à sa perception civilisationnelle de la Russie et plus globalement de l'Eurasie. C'est une perception du monde qui n'est pas moins valable que le bolivarisme pour l'Amérique du Sud, qui n'est pas moins valable que notre ligne à nous qui est le panafricanisme. On a compris une chose, les blocs qui contrôlent le monde aujourd'hui, ce sont ceux qui sont capables d'unir dans une démarche justement de blocs civilisationnels. Les États-Unis en sont l'illustration, la Chine dans une autre configuration qui est une addition de diverses provinces historiques en est une illustration. Et je le dis, nous, dans notre démarche, nous voulons cela sans aucun impérialisme. Les Russes ont une façon de voir le monde qui est la leur, qui n'est pas la nôtre, mais simplement, ce que je constate, c'est que quand l'oligarchie occidentale, qui est responsable d'avoir mis la planète à feu à sang depuis des siècles, a du mal avec la démarche géopolitique de Vladimir Poutine,
Je me dis qu'il faut prêter l'oreille sur ce qui se passe sans idéaliser, sans agiographier, sans dire que c'est un messie ou un héros, un homme parfait, parce qu'il est loin de tout ça. J'ai beaucoup de reproches à lui faire. Les Africains... Vous dites quand même dans votre vidéo que Poutine n'a pas le sang de l'esclavage et de la colonisation sur les mains. Mais c'est une réalité. Est-ce que c'est une raison pour le soutenir quand même dans toutes ses visées expansionnistes? Non, mais rassurez-moi, vous n'avez pas retenu que ces 0,2 seconde que j'exprimais, selon vous, pas pour beaucoup de gens qui l'ont regardé, la vidéo était vue plus de... Ouais, elle n'a pas encore censurée, on peut encore la trouver. D'ailleurs, j'invite tous les gens à la regarder pour se faire leur propre opinion. Elle n'a pas à être censurée. Je m'attaque aux dirigeants africains dedans, je m'attaque à l'oligarchie d'Occident dedans, je m'attaque à l'OTAN dedans. Je suis la personne, je pense, qui, sur la place publique, balaie le plus devant sa porte. Il faut qu'on soit capable de le dire. Nous faisons partie de ceux qui disent que une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc je suis le premier à balayer devant notre porte. Rapport au problème des dirigeants africains et de leur mal-gouvernance et de leur corruption systématique, je ne fais pas partie de ceux qui disent que le problème, c'est toujours les autres. Je dis que si les autres viennent se servir, c'est parce que nos dirigeants sont déjà dans une démarche d'irresponsabilité et je n'ai pas le temps de me victimiser, de me plaindre sur quoi que ce soit. Simplement, je dis qu'il ne faut pas qu'on ferme les yeux. Aujourd'hui, le monde tel qu'il est constitué, et le propos du président Maduro du Venezuela aurait dû, il n'a pas été trop diffusé, évidemment, sur France 24 ou sur... ouais, ça, c'est mon équipe qui tweet, moi, je ne suis pas trop sur Twitter. Beaucoup plus sur Facebook et Instagram, mais Maduro, qui n'a rien à voir a priori... C'est vrai qu'il y a un nouveau réseau qui s'appelle Getter, où il n'y a aucune censure, c'est le partenaire de notre émission, je vous le dis, parenthèse, ouais, et je vous invite à... Nous observerons cela, nous essayons de porter la voix de tous ceux qui se reconnaissent en notre propos et qui sont quand même très nombreux sur le continent africain dans la diaspora, et nous disons... par rapport à une démarche telle que celle du président vénézuélien, quand Maduro dit que ce que fait Poutine, il lutte contre l'arrogance occidentale, contre l'impérialisme occidental, et que tous ceux qui sont agressés par cet impérialisme occidental doivent se sentir concernés, quand M. Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, pareil, tous ces gens-là ne sont pas mes modèles ou mes pères, mais ils ne sont pas, pour moi, plus critiquables que l'oligarchie occidentale. Ce sont des gens qui s'opposent à une hégémonie d'une catégorie de l'humanité et qui estime que tous les peuples doivent vivre en conformité avec leur identité et avec les valeurs qu'ils prônent. Eh bien, moi, je me retrouve beaucoup plus dans cette démarche-là, je vous le dis clairement, que dans la démarche promue par Emmanuel Macron, Mr. Biden et tous les pilleurs en col blanc qui se font passer pour les humanistes alors qu'ils ont le sang de trop de populations sur les mains. Bon, ça, c'est votre opinion, en tout cas. Et je l'affirme. Est-ce que vous comprenez qu'Emi Sebak, les pays d'Europe de l'Est, de l'Ukraine aux pays baltes, en passant par la Pologne, est une peur bleue de la Russie et ne souhaite en aucun cas retourner dans sa sphère d'influence, quitte à devenir, je vous cite, un vassal assumé des États-Unis? Vous avez fait un référendum pour ça? Vous dites que tous ces pays, vous avez déjà mis le pied dans l'un de ces pays? Vous ne reconnaissez pas quand même que la Russie s'est mal comportée avec les peuples de l'Est de l'Europe à l'époque de l'Union soviétique et qu'ils auraient peut-être des raisons d'avoir peur d'elle? Je vous pose une question en toute sincérité. Est-ce que vous êtes, vous, déjà rendu dans ces contrées? Est-ce qu'il y a un référendum officiel qui a été effectué pour nous dire que tous ces pays ont peur de la Russie? Vous êtes certain de ça? Dieu nous a donné une chance, c'est qu'il y a une diaspora africaine qui est présente partout dans le monde, même si j'aimerais qu'elle soit plus présente dans nos contrées. Vous voyez quand même le mouvement des réfugiés qui s'opèrent et qui quittent l'Ukraine, c'est pour quitter la guerre, mais peut-être aussi parce que pour certains, bah, ils ont de plus en plus peur peut-être que ce conflit s'élargisse à d'autres pays voisins. De vous à moi. Si vous êtes dans une guerre, vous êtes au milieu de deux personnes qui sont en train de s'agresser. Parce que c'est ça. Vous avez envie de partir, même si vous soutenez peut-être plus l'un que l'autre, si vous pensez que vous pouvez perdre votre famille, avoir des blessés, vous partirez. Il faut qu'on arrête de nous faire croire, ça aussi c'est la campagne médiatique, le matraquage médiatique de France 24, que les gens qui partent, ça veut dire qu'ils partent parce qu'ils sont contre les méchants, les méchants russes en tant que tels. Il y a 40 millions d'Ukrainiens. Il y en a beaucoup qui sont déplacés parce que Kiev aujourd'hui et toutes les villes autour sont objectivement la cible d'un conflit. Mais je vais vous donner une petite histoire qui va permettre quand même de comprendre les choses. Je vous parlais tout à l'heure du fait que pour comprendre une histoire, il faut comprendre l'introduction, le développement et la conclusion. J'ai bien appris mes leçons. Le problème, c'est que les médias occidentaux nous présentent la conclusion comme le résumé de la rédaction. Mais le développement et l'introduction, c'est comme si vous avez au hasard, sur le seuil d'une maison, le propriétaire d'une maison qui s'appelle par exemple Vladimir Poutine et toute sa famille, par exemple, par hasard, la Russie qui serait dans cette maison. Juste devant lui, on a son voisin Ukraine qui est là et qui est encouragé par un certain nombre de riverains à l'insulter et toute cette bande de riverains jette des cailloux, crache sur la maison, sur le seuil de Vladimir Poutine qui reste stoïque devant sa porte pendant des années qui dit « Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez ».
Sinon, à un moment donné, vous allez dépasser les limites. Il continue à crier, il continue à cracher, il jette des projectiles. Pendant ce temps, Vladimir Poutine dit à sa famille, préparez, s'il vous plaît, des munitions, parce qu'il dépasse les limites, et à un moment donné, il faudra qu'on réagisse, sinon c'est l'humiliation totale. Au moment où il dépasse... L'humiliation. Mais quand vous agressez tout le temps quelqu'un, vous l'isolez, vous lui crachez dessus, vous le menacez, vous lui braquez des armes devant lui, il ne dit rien, il ne fait rien, il reste calme pendant un certain nombre de temps. Et au moment où maintenant le propriétaire qui est sur le seuil de sa maison décide de quitter le seuil de sa maison et de dire « vous avez dépassé les limites, puisque c'est comme ça, il faut que vous puissiez répondre de vos actes », les caméras se braquent et on montre la réaction de celui qui a été agressé depuis des années comme étant soi-disant l'agresseur alors que c'est l'entité agressée. Faites preuve de dignité intellectuelle et politique, de virilité politique pour résumer les choses telles qu'elles sont et non pas avec une malhonnêteté chronique digne des médias occidentaux, comme le disait Michel Collomb, qui sont les médias mensonges par excellence, malheureusement. Alors, je vais encore me faire l'avocat pour vous, sans doute, du diable, mais on a l'impression quand même, quelque part, que vous légitimez le comportement aussi souvent de la Russie d'aujourd'hui par donc ces humiliations qu'elle a ou qu'elle aurait pu subir dans les années 90, notamment après l'effondrement de l'URSS. C'est en tout cas ce qu'on peut penser, si on veut vous contredire. Plus généralement, cette façon d'aborder les choses, est-ce qu'elle ne pose pas quand même un problème de fond? En tout cas, un peu à mon sens, la question est de savoir, est-ce que les souffrances, les humiliations, les affronts du passé donnent des droits sur le présent. On ne parle pas du passé. Le fait que l'OTAN envoie des formateurs canadiens pour former les diverses armées, notamment en Ukraine et dans d'autres endroits qui entourent la Russie. C'est pas une posture victimaire. Non, la posture victimaire, c'est les médias occidentaux et votre propos, même si, comme je vous le dis, généralement, ouais, contre moi, vous, je pose des questions. Et moi, je vous réponds. La posture victimaire, c'est vous présenter, soi-disant, l'Ukraine en essayant de l'extraire du contexte de l'instrumentalisation de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'Occident, la présenter comme la pauvre victime qui n'aurait jamais rien fait, alors que l'Ukraine est instrumentalisée par des forces belligérantes qui n'ont qu'une seule obsession, assujettir, éteindre Vladimir Poutine et la Russie. Je dis que les victimes, les pseudo-victimes, c'est ce que vous dites. La population trinque, moi je condamne la guerre quelle qu'elle soit. Qu'on soit clair. Mais il faut qu'on parle de qui a commencé la guerre et de qui répond. Si vous me faites la guerre pendant X années que je ne dis rien et qu'à un moment donné je réagis, et qu'on filme uniquement comme moi je réagis pour me criminaliser, en me faisant passer pour l'agresseur alors que je suis au départ l'agressé, celui qui est dans l'autodéfense devient l'agresseur dans la manipulation médiatique, mais pas dans la réalité des faits. Poutine est dans une démarche et dans une dynamique d'autodéfense, et tous ceux qui lisent le monde en dehors des lunettes des médias occidentaux savent que ce que nous disons est une réalité. C'est pour ça qu'en Afrique, notre opinion aujourd'hui est majoritairement relayée, que dans la diaspora, dans les Caraïbes, c'est majoritairement relayé, et j'irai plus loin aussi. Vous allez en Amérique du Sud, vous allez au Moyen-Orient, beaucoup de personnes parmi le peuple savent que Poutine n'a fait que réagir, mais n'est pas l'agresseur primordial. C'est très important de le dire. Ce qui ne signifie pas que je suis heureux de voir une ville assiégée, ce qui ne signifie pas, de la même façon qu'en Syrie, on nous a présenté Bachar al-Assad comme l'ultime diable, l'ultime démon. On n'explique pas les mécanismes géostratégiques qui ont entraîné la situation dans laquelle il est aujourd'hui, dans laquelle il était, de la même façon que pour Kadhafi, on nous a présenté Kadhafi comme l'ultime diable, sans expliquer les différentes démarches de déstabilisation dans lesquelles il a été malheureusement entraîné. Je le dis et je le répète, une histoire ne se résume pas à sa conclusion. C'est une introduction, c'est un développement et c'est une conclusion. Si vous racontez une partie de l'histoire, vous aurez sur votre chemin ceux qui connaissent et qui ont étudié un peu plus l'histoire que vous sur un certain nombre de points. Quand je dis vous, je parle du vous global par rapport, malheureusement, aux entités fragilisées qui se laissent manipuler par les médias, alors, des informateurs occidentaux. Il y a une conclusion, il y a peut-être un développement aussi. Je l'ai dit. Est-ce que l'attitude expansionniste de la Russie, qui a commencé en Géorgie, c'était il y a à peu près 15 ans, et puis elle a continué avec la Crimée et l'Ukraine, est-ce que cet expansionnisme russe, il est légitime pour vous? Mais qui en toute humilité. Mais ça, c'est l'histoire. Oui, ça. Non, l'histoire, c'est l'expansionnisme occidental, qui, sous couvert de la vertu, de la prétendue démocratie qui n'est en réalité qu'une appellation du mode de vie, de la gestion de la vie en cité perçue par l'élite occidentale, c'est ça la démocratie aujourd'hui. Parce que chacun a sa perception, sa façon de gérer la démarche d'occuper les affaires de l'État et les affaires de la cité. Mais dès que vous n'êtes pas en conformité avec la méthodologie promue par l'oligarchie néolibérale occidentale, vous devenez clairement des personnes qui sont en dehors de l'histoire,
selon leur propre paradigme. L'expansionnisme, c'est quand vous avez un bloc qui est en face de vous et pour l'éliminer, vous utilisez le diviser pour régner en faisant monter les mécontentements à l'intérieur de la contrée de votre ennemi. C'est ce qu'ils ont fait encore récemment sous George Soros avec les révolutions de couleur, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans le monde arabe. C'est toujours la même chose. Susciter des mécontentements à l'intérieur pour disloquer justement à la surface votre ennemi extérieur. C'est une malhonnêteté chronique. L'expansionnisme, c'est ce que l'Occident, les États-Unis et, j'insiste profondément dessus, leurs vassaux de l'Union européenne ont fait vis-à-vis du bloc de l'Est. Ayez le courage de dire les choses dans leur intégralité et ne dites pas que quand quelqu'un essaye de vouloir reconstituer ce que vous avez découpé et brisé, même s'il le fait d'une façon qui peut être critiquée, je l'entends parfaitement. Encore une fois, vous me posez beaucoup de questions sur la Russie. Poutine n'est ni mon père, ni mon messie. Simplement, je n'aime pas la malhonnêteté politique, ni la malhonnêteté intellectuelle. C'est tout ce que je dis. Il essaye de récupérer des espaces qui ont été phagocytés, qui ont été divisés pour arranger l'élite néolibérale occidentale. Et comme l'Occident a la force des médias, et ils ont face à eux une partie, heureusement pas tous, mais une partie de la population qui est profondément abrutie par ces médias, qui est contrôlée par la politique de l'hypocrite émotion, d'accord ? Où on s'indigne parce que France 24 ou Hanouna ou d'autres nous montrent les images de gens qui meurent, mais on ne s'indignait pas quand il y avait des populations qui étaient bombardées dans les différentes parties du monde, en Irak, au Moyen-Orient, etc., quand ça n'allait pas dans le sens des intérêts des Occidentaux. On a une indignation sélective. Et c'est cette indignation sélective qui donne la nausée à ceux qui connaissent l'histoire un peu plus en globalité que ce que l'on veut réduire dans les médias hypocrites que je viens de citer. Donc, pour vous résumer, Kémy Séba, c'est les États-Unis cachés derrière l'OTAN et sans doute l'Union européenne qui sont responsables de ce conflit. Mais c'est évident. Qu'on observe à l'heure actuelle. Mais c'est évident. Et d'ailleurs, si les médias occidentaux étaient honnêtes, vous savez, quand vous voulez critiquer, j'ai entendu tous les discours entiers de tous les chefs d'État, de tous les dirigeants qui critiquent la démarche de Poutine. Poutine a donné une réponse où il a fait un résumé historique. Je n'ai pas vu plus de 10 secondes de son discours qui était d'ailleurs masqué par une voix off. Pourquoi on ne veut pas? On a censuré les chaînes. C'est quand même assez extraordinaire. Ah, c'était peut-être la traduction. Oui, vu ce qu'il disait, je pense pas. Mais on a censuré les médias de Poutine ici, jusqu'à preuve du contraire, initialement. France 24. On a fermé RT France, qui était donc la chaîne d'information financée par le Kremlin. De l'autre côté, ils n'avaient pas fermé France 24, etc. à ce moment-là. Beaucoup de gens s'en sont indignés, d'ailleurs. Pourquoi vous ne voulez pas le laisser? Ça vous a choqué, ça? Vous savez, plus rien ne me choque vis-à-vis de cette élite occidentale et cette élite française, si on veut parler plus précisément. Mais ça ne vous pose pas de problème que quand il y a un problème politique entre deux camps, on ne laisse pas parler ou s'exprimer l'autre partie. On ne veut influencer la population que dans une perception du monde. Ça ne vous pose pas de problème, cette unipolarisation, cette monopolarisation du monde? Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui me paraît problématique au mieux et malhonnête au pire. Ce qui sans doute... C'est vrai que je vais demander sur un point un petit peu dans votre sens, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et on oublie de le rappeler, l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky, qui est donc aujourd'hui perçu comme un héros, en tout cas pour l'Occident. Pour l'Occident, attendez. Pas pour tous les Occidentaux. Ouais. Enfin, une bonne partie, en tout cas. Vous êtes sûr? En tout cas, si l'on en croit les médias que vous avez dénoncés tout à l'heure. Je pensais que vous le croyez moins que ça, mais c'est vous qui le dites. En tout cas, non, mais là, je vais aller dans votre sens sur un point. C'est vrai qu'il avait préalablement violé le droit international en annonçant explicitement que l'Ukraine ne respecterait pas les accords de Minsk. C'était en 2014 et 2015. Vous pensez qu'il a une part de responsabilité importante là-dessus? Mais Zelensky est objectivement une marionnette au mieux, un outil consentant au pire de l'élite néolibérale, l'ancien humoriste devenu catapulté très rapidement par les mécanismes et les magies de l'histoire, au rang de président d'un pays qui a une très grande histoire et qui est aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, la passoire des désirs de l'oligarchie américaine et de l'oligarchie occidentale de manière générale. Zelensky est un outil, un agent d'influence de l'impérialisme occidental dans cette sous-région et il a fait partie, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, des personnes qui crachent devant le propriétaire au seuil de sa maison, il a fait partie de ceux qui ont contribué à faire monter ces tensions. La réaction quand vous menacez un tigre ou vous menacez un ours, l'ours ne dit rien pendant x temps, au moment où il réagit, il ne faut pas que vous commenciez à crier en disant « l'ours c'est quelqu'un de violent ». Vous l'avez provoqué. Mais pardon, le fait que les États-Unis aient poussé l'extension de l'OTAN, vous l'appelez, jusqu'à l'est de l'Europe, presque aux frontières de la Russie, ça c'est en effet indiscutable. Est-ce que ça justifiait quand même Kémy Séba d'entrer en guerre?
Mais moi, ce qui me pose problème dans votre phraséologie, c'est que vous faites mine, je pense, parce que je vous sais très intelligent, de ne pas comprendre que on ne peut pas utiliser la phrase « entrer en guerre » quand la guerre est commencée déjà de l'autre côté. Quand vous, c'est une guerre larvée. Quand ça. Vous êtes dans une démarche d'étendre l'OTAN et d'étendre l'influence de l'OTAN, d'étendre l'influence belligérante et donc menaçante de l'oligarchie d'Occident autour pour encercler une nation qui vous pose problème, la guerre, elle est polymorphe. La guerre n'est pas simplement les chars, les fusils et tout ce qui s'ensuit. La guerre, c'est une guerre économique. La guerre, c'est une guerre d'influence. L'OTAN, c'est une véritable menace pour la Russie, selon vous? Vraiment? En toute sincérité. Vous pensez que l'OTAN, le comportement qu'ils ont vis-à-vis de la Russie, ce n'était pas une menace des plus graves vis-à-vis de l'équilibre de la paix dans le monde? Faisons preuve, s'il vous plaît, d'un minimum de dignité. Ouais. Pensez pas que c'est un prétexte par Vladimir Poutine pour entrer en conflit avec l'Ukraine? Le prétexte, c'est l'oligarchie occidentale qui a poussé la provocation au-delà des limites de toute rationalité, d'accord? Et qui, lorsque Poutine a réagi, maintenant, ont capturé cette séquence de la réaction pour présenter Poutine comme l'agresseur, pour justement établir leurs sanctions, que c'est lâche, parce que c'est ce qu'ils sont drapés dans leur costume et leur chemise blanche, ce que ces lâches ont préparé depuis un certain nombre d'années, tout ce qui se passe là, l'élite occidentale qui n'a pas le courage d'affronter l'armée russe sur le terrain, tout ce qui se passe là, les sanctions économiques, la volonté d'asphyxie économique, qui ne va pas... nuire en priorité à Poutine. Oui, il y a eu des propos, absolument, alors là vraiment... Des gens qui parlent de incroyable. Mort. Non mais, il y a même eu des propos du ministre de l'économie, là, Bruno Le Maire, je ne sais pas si vous avez bien suivi, sûr. C'était absolument irresponsable, ça, vraiment, et il les a, d'ailleurs, il a rétro-pédalé oui, dans... Oui, mais d'autres n'ont pas rétro-pédalé, j'entends des gens qui disent qu'il faut que le Poutine en question meure et tout ce qui... Enfin, j'entends des propos délirants en France, on parle d'une volonté d'asphyxier la population russe, mais je vous pose une question. Vous pensez que l'asphyxie économique russe pour que le rouble, qui n'est pas la monnaie la plus puissante du monde, s'effondre et que la population russe soit encore plus assiégée économiquement, vous pensez que ça, c'est pas une guerre violente? Ça ne vous pose pas de problème? Vous pensez que la guerre, c'est uniquement les chars qui bombardent des immeubles, etc. Et tout ce... La guerre, elle est multiple et variée. J'ai été dans des pays dans le monde où la guerre économique tue des gens. Aller à Cuba... que nous connaissons très bien, aller au Venezuela, que nous connaissons très bien, aller en Iran, que nous connaissons très bien. Dans toutes ces contrées-là, je peux vous dire la violence de la guerre économique. Ce ne sont pas forcément tous des modèles de démocratie. Mais qui vous a dit que la démocratie que vous vendez est un modèle de société qui plaît aux gens? Moi, je vis dans une région en Afrique de l'Ouest où... Mais que vous dénoncez, d'ailleurs. Non. Bah, en tout cas... Non. Je dénonce... Vous n'allez pas attendre avec le président du Bénin. Je dénonce la corruption. Ah oui, d'accord. Première chose. Bon, on va y revenir après. Je dénonce... la persécution, d'accord, le népotisme, la persécution d'une élite vis-à-vis du prolétariat africain de manière générale. Alors, cette élite, elle a peut-être été élue démocratiquement aussi. On va y revenir. Excusez-moi, si vous voulez vraiment qu'on creuse dans l'histoire du Bénin, vous allez voir qu'il y a la démocratie que vous vantez tant, elle n'a absolument aucune consistance dans le mandat actuel du président Talon. On va en parler après, on va occulter aucun sujet. Juste, on vient encore, pardon, l'Ukraine. Je vois que vous êtes très attaché à l'Ukraine. Non, mais actualité oblige. Écoutez, c'est un peu quand même... On parle de potentiel troisième guerre mondiale qui pourrait planer, dissuasion nucléaire, donc je pense que ça mérite quand même... La guerre mondiale, a commencé il y a longtemps déjà. Mais on aura l'occasion d'en... Enfin, la menace nucléaire, on ne l'entendait pas, excusez-moi. Oui, elle était sous-jacente, mais elle est explicite. Elle est réelle, cette menace, ou pas? Moi, je pense que tout est réel, et que quand vous poussez des gens à bout... Jean-Yves Le Drian a dit que le pire était peut-être à venir. Oui, bon, Le Drian, ce n'est pas quelqu'un que j'ai tendance à prendre en considération ce qui concerne ses informations. Il a une affaire mafieuse, d'ailleurs, actuellement au Mali, dont il faudra peut-être qu'on ait l'occasion de parler. Quand je parle de politique, j'essaye d'éviter de trop citer des mafieux. Et Jean-Yves Le Drian, on est l'un des plus grands. Et ce sont mes mots. Ce ne sont pas les mots qui n'engagent que... Bien sûr, je ne veux pas vous entraîner au tribunal. Non, mais... J'ai suffisamment d'expérience sur ce terrain. C'est un mafieux politique et mes amis qui sont au gouvernement malien le savent très bien de quoi je parle. Ce sont des propos, encore une fois, qui n'engagent que vous, Kémy Séba. Pour résumer, donc, encore une fois, les États-Unis, selon vous, donc, auraient cherché la guerre en voulant étendre l'OTAN à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez? Là aussi, vous allez sans doute vous énerver un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je m'énerve absolument pas. Je ris de la bêtise de certains, mais voilà, je m'énerve. Qui vous disent que cette théorie, c'est une théorie complotiste. C'est un mot qui revient de manière récurrente quand on veut disqualifier quelqu'un. Tout à fait. Quand on n'a pas les capacités intellectuelles de contrecarrer quelqu'un sur le terrain des arguments, eh bien, on sort. Auparavant, il y avait la carte de l'antisémitisme, maintenant, il y a la carte du complotisme. Ce sont des cartes magiques qui permettent d'éviter le débat. Je ne rentre pas dans ça. Le complot ne vient pas toujours de ceux que l'on croit. Parce qu'on entend parfois que cela
permettrait à Joe Biden de laver l'affront et même l'humiliation historique qu'il a connue en Afghanistan, et que cela permettrait évidemment à Emmanuel Macron de sortir de la séquence Covid-19 et de s'offrir une stature présidentielle. Ça vous paraît un complot, à la veille de l'élection des 10 et 24 avril en toute humilité, ça vous paraît un complot ce que vous venez de dire là? Ça vous paraît par une question? Je pose la question, parce que moi je ne donne pas mon avis dans cette émission. Mais je peux vous répondre par une question en vous disant que ça. C'est une option envisageable selon vous. Ça a quand même tendance à ressembler à une situation que nous observons avec très grande précision aujourd'hui, ce que vous venez de dire. Les États-Unis n'ont jamais été autant humiliés, autant ridicules, n'ont jamais été autant présentés pour ce qu'ils sont. Je parle de l'oligarchie d'Occident et non pas le bas peuple. Et de la présidence de Biden, c'est ça? Évidemment, aussi de la présidence de Biden. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui était sur les genoux, a là une occasion de sortir et faire oublier. On ne parle plus du Covid. J'ai l'impression que je vis dans un pays où le Covid n'a jamais existé. Ça, très c'est bien. Vrai. Bon, ça me permet depuis de. Depuis le début de cette intervention séjour en Ukraine, oui, il y a plus de Covid. C'est très bien. Au moins, Poutine a cet avantage. C'est le médicament le plus efficace dans la lutte anti-Covid. Et je pense qu'il faut qu'on soit, comment dirais-je, dans une démarche de gratitude vis-à-vis de ce dernier. Bon, plus largement, je voudrais, Kémy Séba, aborder avec vous un point sur lequel on revient peu, mais qui a attiré mon attention, et donc j'espère attirer la vôtre ici. C'est le fait que l'Ukraine était également au cœur de la politique américaine à l'époque de Donald Trump, puisqu'on se souvient que ce dernier avait demandé au président russe de diligenter une enquête visant le fils, précisément, de Joe Biden, notamment en lien avec des activités illicites et des relations avec des groupes néo-nazis. Quel est votre avis là-dessus? C'est une pure coïncidence ou est-ce qu'il faut peut-être y voir autre chose? Il n'y a jamais de coïncidence en politique, il n'y a juste qu'une addition de faits qui, lorsqu'ils sont tous corrélés, nous permettent de comprendre la pièce dans son ensemble et la carte dans son ensemble. Évidemment que Biden a tout intérêt à faire taire un certain nombre de questionnements et d'enquêtes qui commencent à devenir gênants et qui sont dans les mains de ses adversaires politiques. De la même façon, ça me fait un peu penser à tous les dossiers que Muammar al-Kadhafi, paix à son âme, avait sur l'oligarchie française, l'empressement que Sarkozy avait pour faire taire ce dernier, tout comme Hillary Clinton, et Barack Obama fait quand même réfléchir quand on voit la parabole vis-à-vis de cette situation avec Poutine. Évidemment que à Barack Obama, vous êtes critique de son action? Mais parce qu'il est noir, je ne devrais pas être critique? Non, je ne sais pas, je pose la question. Excusez-moi, moi j'étais un grand fan du Cosby Show quand j'étais jeune, et donc je suis content de voir Barack et Michelle Obama, des afro-descendants, dans la Maison Blanche. Mais le sketch s'arrête là. La vie politique, la couleur de peau n'est pas une opinion politique. Barack Obama à la tête des États-Unis, même si pour moi ceux qui sont à la tête, c'est ceux qui contrôlent le fauteuil de la Maison Blanche et non pas celui qui s'assied dessus, qui, comme c'est dit de manière générale, est un locataire, alors, mais pas le propriétaire. Mais ce sont les tenants de la finance internationale qui ont évidemment un certain nombre d'influences multiples et variées sur la politique de la Maison Blanche. On sait très bien que c'est par des lobbies additionnés multiples et variés eux aussi que l'élection présidentielle aux États-Unis, comme dans la plupart des nations occidentales, se font. Vous me parlez de démocratie, il n'y a pas de démocratie en Occident. Ceux qui sont soumis à l'agenda de l'oligarchie néolibérale passent. Et si vous ne rentrez pas dans ce paradigme-là, vous trépassez. Ou alors, vous pouvez jouer les nationalistes, mais toujours en étant dans une démarche de vous conformer. Vous pensez que cette élection de Biden, elle a été truquée? De vous conformer à l'intérêt de l'élite occidentale. Pour dire élection truquée, il faudrait que vous me trouviez une élection qui ne l'est 100% pas en Occident. Je n'ai pas de certitude sur ça, donc je ne rentrerai pas dans plus de détails. Mais pour moi, c'est un détail de l'histoire que de dire que l'élection de Biden aurait été truquée ou autre. Ce qui est sûr, c'est que Trump est rentré dans une sorte d'isolationnisme qui dérangeait les tenants de la politique historique expansionniste des États-Unis. Sous sa présidence, il n'y a pas eu de guerre. Il faut quand même le relever, ça. Il a fait un tweet, enfin pas un tweet, non, puisqu'il n'est plus sur Twitter, mais il a dit récemment qu'en effet, sous tous les autres présidents, il y avait eu des guerres. Et c'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça. Lorsqu'il a été président, pendant la durée de son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Bon, c'est pas pour autant que je... Qu'il soit déclenché. C'est pas pour autant, oui, qu'il soit déclenché. Ça veut pas dire qu'il était pas dans un processus de très menaçant vis-à-vis de certaines entités. J'ai en souvenir l'attitude. Bah, c'était peut-être l'équilibre aussi de l'attitude qu'il avait vis-à-vis de la République islamique d'Iran. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui est un prix Nobel de la paix. Donc soyons sérieux. Même si Barack Obama, prix Nobel de la paix, a plus de sang sur les mains que lui, objectivement, en ce qui concerne la réalité politique internationale. Ah oui, donc là, reconnaissons-le. Ça y va. Bon, là encore, des propos qui n'engagent que vous. Mais, et tous ceux qui ont raison aussi. Et les autres, d'ailleurs. Kémy Séba, on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis. J'aimerais encore une fois revenir. Alors ça nous touche plus de près, puisque c'est évidemment de la France et de l'Union européenne. Quelle est, encore une fois, est-ce que vous pouvez bien me préciser, selon vous, la responsabilité, non pas de l'OTAN, des États-Unis, mais de l'Union européenne dans cette crise? Mais déjà, on doit comprendre une chose, l'Union européenne... L'Ukraine qui demande d'ailleurs à intégrer l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne aime bien la soutenir
à distance quand ça chauffe, lui souffle dans l'oreille pour être dans une démarche provocatrice, mais quand ça chauffe, l'Union européenne est présente derrière le smartphone, mais pas suffisamment. Enfin, ils l'ont applaudi au Parlement. Ils l'ont applaudi par visioconférence. Ils n'étaient pas présents sur le terrain quand ça chauffe, parce qu'on sait comment ça se passe avec nos dirigeants qui aiment lancer des flashballs sur leur population, mais qui ne sont pas très courageuses pour être sur le terrain quand il le faut. Mais bref, fermons la parenthèse. L'Union européenne, dans sa constitution, sa structuration aujourd'hui, n'a strictement rien de souveraine. C'est un vassal, c'est un satellite des États-Unis. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne pourra aller nulle part. Mais donc, l'Union européenne, en tant que satellite des États-Unis, n'a joué de son influence vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine et dans la sous-région qu'à partir des recommandations de l'oligarchie américaine. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup souri au discours de Macron récent qui nous parle maintenant de « oui, il est temps que l'Union européenne devienne souveraine ». Il ne le fait pas parce que c'est un amoureux d'une quelconque souveraineté. C'est le politique à la logique la plus apatride qui existe, à mon sens, Emmanuel Macron. Mais il est très conscient des critiques qui sont apposées vis-à-vis de l'Union européenne, qui est objectivement, politiquement, un satellite géostratégique des États-Unis. Et ça, tout le monde le sait, du bas peuple jusqu'aux personnes les plus concernées. Alors finalement, quand même, cette guerre, ce conflit, pose de nouveau quand même une question fondamentale, qui est celle de la définition de la nation et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, nous sommes tout à fait d'accord dessus. Mais c'est un point qui est quand même le point fondamental, d'ailleurs. Mm-hmm. Moi, je pense que la nation part déjà de la volonté d'une population de décider de sa propre destinée, de sa propre histoire, de son propre paradigme, de son propre chemin. Mais quand c'est toujours une force… Poutine, pardon de vous interrompre, précisément se revendique, je le cite, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de cette fameuse liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce qu'il n'est pas quand même un peu hypocrite dans la mesure où on peut douter qu'après une telle intervention militaire, ces fameux peuples, ils peuvent difficilement décider librement quand même, Kémy Séba. Vous savez, si vous rentrez… Si vous avez un pistolet sur la tempe… Oui, c'est sûr. Si vous faites l'erreur de rentrer dans ma maison, que vous occupez le salon, que vous occupez une chambre, une autre chambre, une autre chambre, et qu'un jour ou un autre, je décide de tout faire pour vous chasser et de réoccuper chambre par chambre, vous allez dire que c'est moi le colon ou c'est vous le colon? Faites preuve d'un peu de dignité et de sincérité. Et quand je dis faites, c'est, je ne parle pas de vous uniquement, mais de tous ceux qui sont derrière leur écran et qui ne sont pas dans cette démarche d'honnêteté. Vous pensez que l'Occident joue un double jeu? Mais l'Occident, par essence, comme le dirait René Guénon, aussi bien dans sa démarche métaphysique que dans la logique physique, est dans un double jeu constant. Et c'est cet impérialisme de la vertu que nous constatons. Faire le mal en se drapant des manteaux du bien et présenter ceux qui essayent de faire, peut-être parfois maladroitement, comme Poutine, le bien, mais qui le font sans embâge et qui donnent les armes pour être critiqués, diabolisés par la suite vis-à-vis de l'opinion entre guillemets internationale, sachant que l'opinion internationale se résume à l'addition de quelques groupes médiatiques occidentaux. Alors tout à l'heure, Kémy Séba, vous me disiez à juste titre en effet que je ne savais pas de manière certaine quelle était l'opinion de ces peuples justement à disposer ou non d'eux-mêmes. Est-ce que pour régler cette crise par exemple, puisqu'on en est quand même à espérer qu'elle ne dégénère pas plus, est-ce qu'il faudrait peut-être pas organiser un référendum dans les républiques séparatistes? Moi je pense qu'il faudrait le faire. Le référendum est le meilleur moyen de savoir exactement ce qui se dit au-delà des canaux médiatiques, quels qu'ils soient. Et je pense que c'est très important. Et un référendum, en essayant de tout faire pour que, évidemment, fraude il n'y ait pas, parce que certaines entités, certaines élites sont devenues les championnes du monde pour frauder, pour que ça aille dans leurs intérêts. Même si on ne peut pas résumer cette réalité uniquement à l'Occident, Poutine n'est pas non plus parfait et inattaquable sur ce terrain-là. Soyons équilibrés dans nos remarques. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, Kémy Séba, aujourd'hui, que l'Ukraine, dans son périmètre initial, qui comprenait donc ces deux républiques, est une nation? Est-ce qu'on ne peut pas dire que cela correspond à la définition qu'a donnée justement, vous disiez, Renan, dans son célèbre discours de la Sorbonne? C'est difficile de pouvoir parler de nation quand on a cette situation. Moi, je suis un passionné d'histoire et je sais qu'au IXe siècle, la Russie qui est Vienne, si on veut l'appeler dans une phraséologie française, mais qui était la juxtaposition donc, de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie, c'est une entité nationale, politique, historique. Ces trois entités sont liées par l'histoire. Ce n'est pas l'Union européenne ou les États-Unis qui peuvent résumer la réalité historique de ces nations-là. Vladimir Poutine, il dit que l'Ukraine est n'est pas véritablement une nation, mais simplement une création de la Russie, notamment sous Lénine. Mais il est mieux placé que vous et moi pour savoir ce qu'il en est par rapport à cette réalité-là. Mais je dis qu'à la base, la Russie kievienne, c'est une réalité historique, c'est le 9e siècle. Et quand on veut commencer par le commencement, il est important de se rappeler des réalités du départ. Voilà.
Donc pour vous, que les choses soient bien claires, si je vous comprends bien, Kémy Séba, l'Ukraine fait bien partie de la Russie, elle doit revenir dans son giron, c'est ça? Ce n'est pas à moi, Kémy Séba. Non, ça, je vous réponds. Puisque vous avez le droit d'avoir une opinion. Non, mais je pense que je suis celui qui fait preuve le plus qu'il a son opinion. Je vous dis simplement que c'est au peuple concerné d'être interrogé, non pas 1 sur 40 millions ou 10 sur 40 millions, mais c'est la population qui doit être interrogée dans sa profondeur pour savoir de qui elle se sent le plus proche. Oui, mais excusez-moi, avec cette optique, jusqu'où on doit aller? Est-ce que on doit encore aller à la reconquête de, je sais pas, d'autres territoires par la Russie historique? Par exemple, Poutine, il pourrait aller jusqu'à reconquérir la moitié de l'Allemagne, par exemple. Si on va jusqu'au bout de son raisonnement. L'Allemagne était la Russie historique. Soyons sérieux un peu dans l'analyse, s'il vous plaît. Vous ne confondons pas l'influence soviétique vis-à-vis de la Russie. La Russie, les Juifs, selon vous, a récupéré tous les territoires de l'ex-URSS, c'est ça? Ce n'est pas ce que nous disons. Vous dites pas ça. Il y a aujourd'hui, je vous le dis, une addition de différents blocs. Quand on parle de la multipolarité géopolitique, on parle de la nécessité pour chaque peuple de s'organiser en fonction de son bloc civilisationnel. L'Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA, contrairement à la RFA qui était l'Allemagne de l'Ouest en tant que telle, n'est pas une population, qu'on le dise clairement, russe ou historiquement russe. Ce n'est pas vrai, ce serait mentir que de dire cela. Par contre, il y a un bloc civilisationnel qui existe, qui est réel. D'accord. Certains théorisent notamment cela à travers le racisme. Ce n'est pas à moi d'en parler. Je ne suis pas le porte-parole de ce courant. C'est leur réalité. Mais je dis que, de la même façon que nous, dans la dimension du panafricanisme, nous estimons que nous devons être dans cette unité des diverses formes d'africanité pour constituer un bloc, pour nous faire entendre et respecter dans ce concert des nations. De la même façon que en Amérique du Sud, l'idéologie promue par Simon Bolivar est aujourd'hui portée par Maduro, hier portée par monsieur l'ancien président Hugo Chavez, paix à son âme. Et dans d'autres contrées du monde, chacun comprend que si vous ne fonctionnez pas comme un bloc, vous ne pourrez pas vous faire entendre. Il y a une entité qui accepte d'agir comme un bloc, les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, c'est des États qui s'unissent pour constituer un bloc, et leur toutou, que sont l'Union européenne, évidemment, parce que ce sont leurs clébards, leurs animaux de compagnie, disons les choses telles qu'elles sont, je parle des dirigeants, pas du bas-peuple, très important, et ces derniers acceptent de vivre comme des blocs, mais refusent que les autres puissent le faire. Poutine est dans cette démarche de se dire qu'il faut fonctionner tel un bloc, et transcender ce qui a été fracturé par des forces exogènes qui voulaient déstabiliser son histoire et déstabiliser ses peuples. Je pense, et je terminerai par là, et pour finir, parce que je ne suis pas là pour parler… – Non, mais on a un entretien très long, on a encore une heure d'entretien. – Donc, c'est un rendez-vous, même si je vous aime bien. – Non, mais on a encore une heure. – Mais en gros, et je terminerai par là, c'est au peuple. Nous connaissons bien cette région parce que, comme j'ai été invité, je suis invité pour faire des conférences avec notre ONG à différents endroits dans le monde, cette région, nous la connaissons très bien, nous y retournerons d'ailleurs prochainement. Je peux vous dire que les populations sont beaucoup plus nuancées que ce que vous voulez faire penser sur la prétendue négative influence russe. Il y a des gens qui sont conscients de leur histoire, beaucoup plus que la manipulation médiatique, que ce que les médias occidentaux essayent de faire croire pour le reste du monde. – Mais justement, ça va nous amener à une transition tout à fait naturelle pour parler d'autres sujets, mais encore une fois, j'aimerais savoir, quand Vladimir Poutine parle de dirigeants ukrainiens comme des nazis, est-ce que ça c'est anecdotique, c'est… – Moi je sais pourquoi il le fait, c'est parce qu'il y a des milices justement nazies qui ont été instrumentalisées, ou instrumentalisées, ça voudrait dire qu'elles ne seraient pas forcément conscientes, mais qui ont été outillées et utilisées par l'oligarchie américaine pour prendre le pouvoir à certains endroits de l'appareil étatique ukrainien. C'est une réalité. Et c'est la preuve que différents courants qui sont censés être contraires savent se retrouver face à un ennemi commun qui est aujourd'hui le pouvoir russe, qui est un pouvoir qui tient, comme le pouvoir chinois est un pouvoir qui tient, comme dans d'autres cadres et à moindre échelle, le pouvoir iranien est un pouvoir qui tient et qui les dérange. Il y a des choses qui dérangent profondément l'oligarchie américaine et ils savent fermer les yeux sur des anciens ennemis qui deviennent des nouveaux alliés quand ça leur permet d'asseoir leur hégémonie. Et quand Poutine utilise cette phraséologie, il sait exactement ce qu'il fait, même si moi, cette qualification nazi par-ci, par-là, etc., commence aussi à être fatigante. J'aime affronter les gens sur le terrain de leurs idées, mais il y a des milices néo-nazis qui ont été instrumentalisées par l'administration américaine, reconnaissons-le, et les vrais le savent. Il a été, Vladimir Poutine, jusqu'à dire, je cite, que l'Ukraine était une colonie des États-Unis qui dirigerait toutes les instances, y compris celles visant à lutter contre la corruption. Et ça, c'est vrai, que ce sujet de la corruption en Ukraine,
on n'en parle plus beaucoup. Oui, on n'en parle plus beaucoup. Et c'est une colonie américaine, et c'est une colonie occidentale, mais plus précisément américaine, puisque les États-Unis sont la capitale de l'Occident aujourd'hui dans le monde, qu'on le veuille ou pas. Et je vous dis, encore une fois, c'est un discours qui est rare peut-être pour vous en France. Nous qui vivons en Afrique et qui voyageons partout dans le monde, en dehors souvent de l'Occident, je peux vous concéder que c'est une réflexion qui est partagée par les trois quarts, en tout cas une grande partie des populations dans ce monde. Tout le monde sait ce que l'Occident est en train de faire aujourd'hui dans cette région. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs ailleurs, objectivement. Voilà. Alors justement, plus largement, Kémy Séba, finalement, vous en parliez, qu'est-ce que dit ce conflit de l'opposition séculaire entre l'Orient et l'Occident et plus largement de la civilisation occidentale que vous pourfendez donc hein, dans tous vos différents livres et prises de parole. On a vu que Poutine a tenu donc des propos très durs contre l'Occident ces dernières semaines. La Chine, qui est donc alliée à la Russie, est aussi dans le même état d'esprit. Le président chinois a notamment prononcé des discours où il dénonce, je cite, la laideur de l'Occident. Finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à la formation d'un nouvel axe Chine-Russie, l'axe oriental, contre l'ancien axe USA-Europe? Moi, je pense que ça serait une erreur de géographiser ou géographiser, je pense. Enfin, on comprend. Peu importe, en tout cas, d'asseoir la réflexion en essayant de la lier à un espace en tant que tel. Non, je crois que c'est beaucoup plus complexe que cela. Samuel Huntington parlait du choc des civilisations. Je pense qu'il parlait d'une civilisation en effet occidentale contre une civilisation orientale. Moi, je pense, pour aller plus loin et peut-être dans une dynamique guenonienne, qu'on assiste aujourd'hui à un conflit de civilisation. À un conflit du monde moderne et face au monde traditionnel. Qu'il y a des nations pour qui la tradition, avec un grand T, est l'obsession. On vit dans un monde occidental où on vous fait croire que ce qui est du domaine du passé, ce qui est du domaine du terroir, ce qui est du domaine de l'enracinement, c'est mal, c'est de la barbarie. Que le progrès aujourd'hui, un homme peut enceinter, accoucher, vous pouvez vous appeler Jérôme et donner naissance à quelqu'un, je ne sais pas par quel. Donc vous acceptez justement cette critique de l'Occident, c'est intéressant l'exemple que vous citez là, comme une civilisation décadente. Mais il y a une dégénérescence qui est réelle, qui est promue par l'oligarchie occidentale, et vous verrez plein de petits occidentaux, des prolétaires occidentaux, des campagnards occidentaux, des gens des villages, des gens du bas-peuple qui n'ont rien, qui seront les premiers à dire que l'élite occidentale est décadente. C'est pas une critique de Kémy Séba, c'est pas une critique du président chinois, c'est pas une critique de Vladimir Poutine, c'est une critique qui est partagée par tous ceux qui sont dans une démarche d'enracinement et qui sont bien plus nombreux qu'on le croit. Non, mais là, pareil, j'ai envie de vous retourner. Vous avez des chiffres là-dessus? Moi, j'ai vécu 15 ans de ma vie dans les villages. Je ne sais pas si vous êtes un natif de région parisienne et du Paris 16e, mais si vous allez en dehors de cette circonférence, justement, c'est une question provocatrice. Si vous allez en dehors de cette région, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans cette démarche d'enracinement. Et cette histoire de, pour donner un exemple simple, hein, mais du progrès occidental que je schématise par cette image qui est magnifique, d'un Jérôme qui peut devenir papa. Papa, on l'est tous, enfin, je souhaite qu'on le soit, mais qu'il puisse accoucher sur son lit d'hôpital, si vous trouvez que c'est magnifique, bien chacun son Jérôme. Moi, mon Jérôme, ça sera mon camarade, mais ça ne sera pas la personne qui accouchera de mon enfant. C'est sûr et certain. C'est le progrès, peut-être, que veulent vos élites. C'est mignon. Mais il y a d'autres nations qui estiment que ce que vous appelez progrès, c'est dégénérescence, et qui estiment qu'ils peuvent avoir le droit d'avoir une autre vision et perception du monde. Et donc, pour reprendre ce livre, et je demande à tout le monde de le lire, j'aurais dû faire, si j'étais un commerçant, un boutiquier, la promotion de mes ouvrages, mais je suis là pour que les gens comprennent le monde dans lequel on vit. René Guénon, blanc de son état, métaphysicien, avait résumé le monde avec une subtilité, une puissance et une profondeur qui dépassent l'entendement. La crise du monde moderne, nous y sommes aujourd'hui. Et face à ce monde moderne qui est en train de s'effondrer… – La crise du monde moderne, c'est le nom de cet ouvrage, d'accord. – L'un de ses plus grands ouvrages, d'accord. Et face à cette décadence, justement, du moderniste occidental, il y a des contrées traditionnelles, la Chine, la Russie, l'Iran, d'accord, et d'autres nations, et aussi en Afrique, pas les élites cosmopolites qui sont dans une démarche d'être en concubinage incestueux avec l'oligarchie néolibérale occidentale, parce que les élites africaines, si je commence à en parler, deux heures d'émission ne seront pas suffisantes, mais le bas-peuple africain est dans cette logique d'enracinement aussi. Et donc, l'ultime force du colonialisme, c'est le globalisme.
C'est le globalisme moderniste occidental. Cette volonté d'uniformiser le monde, de McDonaldiser le monde, de faire en sorte que si le monde ne rentre pas dans les clous voulus par l'élite américaine ou l'élite occidentale, vous êtes dégénéré. Et bien, il y a des gens qui s'opposent à cela. Et c'est ça la vraie confrontation des mondes. Ce n'est plus le capitalisme contre le communisme, c'est le globalisme occidental néolibéral, d'accord, le modernisme occidental contre le traditionalisme dans sa globalité qui est présent sous multiples formes dans les diverses contrées que je viens de citer. On assiste à une véritable détestation de l'Occident qui grandit par exemple. Écoutez, je voyage partout où on va en tout cas. On fait régulièrement l'Amérique du Sud, on fait régulièrement le Moyen-Orient, on fait régulièrement l'Asie. Il y a une détestation profonde des élites occidentales et du way of life occidental sur bon nombre de points. C'est une réalité. Selon vous, Camille Seba, quel est le plus grand ennemi de l'Occident aujourd'hui ou à tout le moins le plus dangereux? La Chine ou la Russie? Le plus grand ennemi de l'Occident et de la population occidentale, c'est son élite occidentale elle-même. C'est ni la Chine, c'est ni la Russie, c'est ni les autres. Parce que c'est l'élite occidentale qui suscite les guerres partout. Et lorsque ça revient chez elle, elle se plaint comme une victime, une pauvre victime en Japon, et en disant que le méchant c'est l'autre. Mais je le redis, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Le véritable problème de l'Occident, c'est son élite décadente qui est en train d'orienter sa population dans une chute sans fond. Et il faut arrêter, enrayer cela. C'est un message, un appel que je dis à tous les prolétaires occidentaux que je vois. Vous avez cette responsabilité de protéger et votre peuple et votre humanité. Il n'y avait pas d'autre solution, parce que sur le conflit en lui-même, un mot là-dessus. Moi, je ne travaille pas à l'ONU, cher monsieur. Il n'y a pas d'autre solution que... Je ne travaille pas à l'ONU, je ne suis que le président d'une ONG qui s'appelle Urgence Panafricaniste et qui n'a pas de mandat à l'ONU. Que l'ONU se règle et s'organise pour se comporter autrement que comme un autre satellite des États-Unis basé à New York d'ailleurs. Ce qui, en termes d'indépendance, est un petit peu complexe. Et quand les gens, en tout cas les gens, ont peur, en tout cas soulignent parmi les critiques, mais que vous dénoncez sans doute, qu'en effet, Poutine ne s'arrêterait pas à l'Ukraine, mais pourrait envahir le reste de l'Europe de l'Est, voire le reste de l'Europe, hein, y en a même qui disent ça, on serait dans un fantasme délirant selon vous? On sait rien, ouais. Poutine a son chemin. C'est une façon de dramatiser le conflit peut-être? Oui, il fait ce qu'il veut, je ne suis pas son VRP, et comme je vous le dis, il fait ce qu'il a à faire. Et les Occidentaux doivent faire ce qu'ils ont à faire. Moi, j'étais juste là. Mon point de vue était le point de vue de quelqu'un qui, comme des millions de gens, ne supporte pas qu'on nous ne raconte pas toute la totalité de l'histoire. Avec une version et pas la palette complète. Alors, on va maintenant être comme ça, amorcer tranquillement la transition vers d'autres sujets, mais c'est important. Non, mais vous voyez, ça ne fait qu'une heure, mais comme vous parlez très vite, eh ben, ça vous donne l'impression qu'on a parlé. J'essaie de donner un certain nombre d'informations à force d'être censuré dans les médias que vous connaissez très bien. Non, mais là, vous ne l'êtes pas et on vous le garantit. En tout cas, j'aimerais justement qu'on en parle, justement, de cette liberté d'expression, traitement médiatique qui est fait, alors, bien sûr, de la crise en Russie, selon vous, que vous dénoncez. Vous appelez les médias mensonges, hein, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Ce n'est pas mon appellation, c'est l'appellation d'un Belge, un historien belge, que j'apprécie somme toute, sur une certaine mesure, j'ai beaucoup d'autres critiques à faire vis-à-vis de lui, mais c'est un courageux combattant, Michel Collomb, journaliste d'investigation, qui a été le premier à conceptualiser ce terme-là, médias mensonges. Je trouvais que ça avait du sens, même si c'est pas... C'est vrai qu'on entend beaucoup, là je vous l'accorde, sur BFM TV, sur les autres médias mainstream, que Vladimir Poutine serait devenu fou, avec toute une dramatisation donc, sur la santé mentale du président de la Fédération de Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche psychologisante, voire psychiatrisante de certains, du conflit? Dans la vidéo que vous avez publiée sur les réseaux sociaux, vous soutenez évidemment le contraire. Est-ce que ce n'est pas l'une des caractéristiques justement des régimes totalitaires ou autoritaires, là j'abonde dans votre sens, de toujours psychiatriser les adversaires afin évidemment de jamais véritablement répondre à la question, quoi? Vous faites le ventriloque limite, et à travers vos propos, votre question qui est un simple constat, vous voudriez que mon approbation donne office d'opinion, mais tout est dit dans votre question. La vérité, c'est que on est dans une hollywoodisation du débat et de la politique. Moi, quand j'allume France 24, quand j'allume France Info, j'en suis pas dans son bunker avec lui. Et objectivement, j'ai d'autres préoccupations. Je préfère être avec mes valeureuses et illuminées sœurs, avec les miens, d'accord, ou avec mes frères africains et africaines, que être dans le bunker avec Vladimir Poutine. Mais si j'ai l'occasion de le rencontrer, peut-être que ça arrivera, je lui dirai, comme je le dis à tous ceux que je rencontre, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, face à l'arrogance impérialiste occidentale, tenez bon, monsieur Poutine. C'est ce que je lui dirais, évidemment. Vous ne diriez pas frère ukrainien? Comment?
Vous ne diriez pas frère ukrainien? Je dirais aux Ukrainiens, si je les vois, courage, parce que ce n'est pas facile d'être dans une ville où vous êtes pris en conflit par des élites qui vous emmènent dans des guerres que vous ne méritez pas. Hein, oui, bien sûr, c'est ce que je dirais au peuple, évidemment. C'est pas à Zelensky que je dirais ça. Non, non, je dirais au peuple, courage. Parce que vous n'avez pas voulu demander à ce que vos immeubles soient bombardés. Mais adressez-vous à ceux qui ont provoqué et pas à ceux qui réagissent. Est-ce que ce n'est pas la fin, Camille Sebald, de l'utopie de la paix universelle? Et là, c'est quand même un sujet plus philosophique, mais ouais, autrement plus triste. Je pense que tout ce qu'on a dit est très philosophique, en réalité, et il n'y a jamais eu de paix universelle. La paix universelle, ce n'est pas quand il y a le confort. Non, pas l'équilibre de la Terre, alors, aussi, à un moment donné. Paix universelle, il n'y a pas de paix universelle quand, partout, aux quatre coins du monde, la paix n'est pas présente. Ce n'est pas quand il y a la paix dans les petits salons parisiens, ou new-yorkais, ou anglais. Mais comment ça tremblait, hein, certains. Que cela signifie que c'est la paix universelle. Parce que pendant qu'il y a la paix dans ces petits salons, d'accord, le prolétariat, qui n'est pas si loin de ces petits salons, vit dans une pauvreté extrême en Occident. Les populations en Afrique vivent dans une pauvreté extrême. Je rappelle, moins de 100 euros de salaire moyen, c'est quand même problématique, reconnaissons-le. Et toutes ces réalités-là sont des réalités qui doivent être concédées et constatées. Donc la paix universelle, depuis le processus, depuis l'essence justement du capitalisme, qui parle de l'asservissement de l'homme par l'homme afin que l'homme qui a servi puisse en tirer un certain profit. On ne peut pas parler sans faire le caricatural communiste, parce que j'ai beaucoup de critiques aussi que j'émets sur ce courant politique. Il est évident qu'on ne peut pas résumer les choses de cette façon, c'est logique. Le rôle de la France dans cette crise entre l'Ukraine et la Russie, je ne sais pas si vous avez écouté le président Macron cette semaine, il a pris la parole mercredi dernier. Quel avis vous portez sur son action, sur sa prise de parole ? Macron essaye à la fois de démarrer sa campagne présidentielle qu'il a déjà gagnée, que ceux qui parient sur lui ont déjà conceptualisé. Et il a déjà plié, qu'il a gagné. Je pense, après, je peux me tromper, je ne suis pas Nostradamus et je n'ai pas cette arrogance-là, mais je pense que le deuxième mandat, normalement, il doit l'avoir. Enfin, il s'est bien planté, Nostradamus, entre eux. Justement, c'est pour ça que je ne veux pas connaître les mêmes travers. Ouais. Et donc, par rapport à cette situation, pour moi, il y a de fortes chances qu'il gagne. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Non, mais pourquoi je vous demande ça? Parce que j'aimerais vous demander pourquoi, selon vous, dans cette présidentielle, c'est quand même étonnant. Et là, c'est factuel. Aucun candidat ne prend la défense de la Russie de Vladimir Poutine, y compris les plus pro-Russie, comme était à une époque, quand même, Éric Zemmour. Hein, parce que ce sont des lâches. Parce que ce sont des gens qui, contrairement à leur côté pseudo-rebelle qu'ils affichent, en amassant les centaines de milliers d'euros, ce sont des gens qui appartiennent à un camp aujourd'hui politique. Zemmour a frôlé, a joué pendant un certain nombre d'années le rôle du rebelle, le rebelle promu par tous les médias français pendant un certain nombre d'années, qui avait un prime time incroyable pendant des années, qui au départ a été chez Ruquier, au service public, qui par la suite a été dans les plus grandes radios françaises, qui par la suite a fini sur une chaîne d'information en continu française, d'accord, sponsorisé par Bolloré. Vous connaissez beaucoup de rebelles autant promus par le système, en toute sincérité. Arrêtons de nous moquer du monde, c'est simplement un roquet politique qui exalte, parce qu'il a été autorisé pour le faire, qui instrumentalise, j'insiste, avec sérénité, qui instrumentalise un besoin de patriotisme très présent au sein d'une grande partie de la population française. Mais moi, je vous dis et je répète, je suis un patriote, je suis un militant panafricaniste, je défends mon peuple, je respecte toujours ceux qui défendent leur peuple, sauf si ils suivent un double agenda. Et Zemmour, comme Zelensky, comme d'autres, suivent un agenda qui va bien au-delà du patriotisme, l'un ukrainien soi-disant et l'autre français soi-disant, qu'ils évoquent. Ils ont beaucoup plus de points communs qu'on ne le croit. Alors, Kémy Séba, pour cette deuxième partie de l'émission, j'espère que ça va vous satisfaire. Je souhaiterais qu'on aborde... J'aurais voulu que ça soit la première, mais une autre je thématique. Vous suis. Bah, on donne toujours la primeur quand même à l'actualité la plus chaude. Hein, et en ce moment, c'est quand même l'Ukraine. Je suis en France, donc je m'adapte à votre réalité. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs la remarque là, que vous venez de faire. Pour vous, aujourd'hui, la crise la plus grave qu'on vit en ce moment, c'est pas l'Ukraine. Moi, je vis en Afrique, c'est la crise au Sahel pour moi. C'est chacun son paradigme. Chacun son paradigme, les tentatives de déstabilisation de notre sous-région promues par l'oligarchie française, l'appareil d'État français. Vous savez, votre perception du monde n'est pas forcément la perception de tout le monde. Il faut l'entendre. Il y a une multipolarité des visions. On n'entend pas beaucoup non plus l'Afrique sur le sujet, en l'occurrence. Vous lui donnez la parole? Mais vous peut-être. Non, mais nous, de manière générale. Moi, je travaille dans les médias sur une des plus grandes chaînes en Afrique francophone. Vous inquiétez pas qu'on parle de tout.
Mais simplement, nos médias... Y compris de l'Ukraine et de la crise en Ukraine. Oui, mais ça a la part que ça doit avoir, parce que l'Ukraine n'est pas le centre de gravité de nos vies. Mais encore une fois, je reviens à cette menace nucléaire. Là, c'est la menace d'une troisième guerre mondiale. Vous savez, on n'a pas entendu souvent dans les pays africains. Enfin, ils n'ont pas la bombe nucléaire. Mais vous savez, chacun a ses crimes, a ses problèmes. Ce qui nous tue depuis un certain nombre de temps, c'est une bombe nucléaire bien plus puissante. C'est l'asphyxie monétaire, financière dans laquelle nous sommes installés, soit par le processus du franc CFA, soit par les accords de Bretton Woods qui nous ont incarcérés dans le giron de la pauvreté. Et c'est important, s'il vous plaît, que je termine. Depuis un certain nombre d'années, chacun a une bombe nucléaire qui lui est brandie. Nous, notre bombe nucléaire, c'est ça. Votre histoire de bombe nucléaire, de qui joue des muscles entre Poutine et vôtre, c'est votre guerre intertribale, votre guerre interethnique. Nous, on a nos problèmes. Et si je parle de ce que je dis par rapport à Poutine, c'est parce qu'au-delà de ce conflit en apparence interethnique, ça revêt une connotation beaucoup plus géostratégique et j'irai même plus loin métaphysique par rapport justement à la confrontation de deux blocs entre le bloc moderne, du monde moderne, entre guillemets, progressiste, et le monde traditionnaliste. Et parce que je me reconnais dans ce monde traditionnaliste et que bon nombre d'Africains qui se reconnaissent en notre voix se reconnaissent dans ce monde traditionnaliste, c'est dans ce cadre-là que je suis et que nous sommes intervenus. Ce qui ne signifie pas que c'est le centre de gravité de nos vies. J'ai jamais autant parlé de l'Ukraine et je pense que c'est la dernière fois que j'en parlerai autant. Bon, bah écoutez, je suis honoré que ce soit ici dans Les Incorrectibles. Alors, on va aborder donc cette thématique qui vous est chère à présent, à savoir l'Afrique et le panafricanisme. Et pour commencer donc et faire cette transition, donc on le redit, donc le fait qu'aucun pays africain n'ait pris le parti de Vladimir Poutine et de la Russie dans cette crise, c'est faux. Il y a des gens qui se sont abstenus à l'ONU, d'accord, le Cameroun, si je ne m'abuse. J'ai été très surpris même de voir, Dieu sait que j'ai énormément de critiques politiques à faire vis-à-vis de ce dernier, le président Macky Sall, même si je pense que c'est beaucoup plus de l'opportunisme politique qu'autre chose. L'Érythrée, si je ne m'abuse, a aussi apporté son soutien, ou du moins a refusé les sanctions vis-à-vis de la Russie. Les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Voilà. D'accord, bah c'était intéressant que vous mettiez les pendules à l'heure. Alors, Kémy Séba, est-ce que d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent, qui comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour vous, et de manière générale, bah oui, un peu de pédagogie, le panafricanisme? C'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir de manière collective la souveraineté, tout simplement, et la justice sociale. Être dans une démarche vis-à-vis de cette idéologie de libération, dans un processus d'autodétermination, d'anti-victimisation, de se préoccuper de nous-mêmes, de pouvoir nous en sortir nous-mêmes sans mendier l'aide de qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin, nous, beaucoup de populations ne veulent plus de l'aide du FMI. On ne veut pas des miettes qui sont issues des entités qui nous ont pillées durant le processus colonial. Je parle des élites, pas du bas peuple, d'accord. On veut pouvoir bénéficier de nos propres ressources. Et le panafricanisme va de pair avec la volonté de faire le ménage vis-à-vis de nos dirigeants. C'est pour ça que je le dis avec une très grande sincérité et une très grande sérénité. Nous avons contribué à travers nos campagnes, l'oligarchie française le sait, les dirigeants africains le savent, à faire tomber, avec les autres diverses forces sociales en Afrique francophone, des présidents corrompus qui étaient tenus en laisse par l'oligarchie française. Et vous remarquerez que systématiquement, des présidents qui nous incarcéraient, qui m'ont incarcéré, qui m'ont expulsé de certains pays. Victime de cette. J'aime pas le terme victime, mais j'ai fait l'objet d'incarcérations multiples et variées, ça fait partie du jeu. Quand vous menez un combat. De procès en diffamation. Oui, ils font ce qu'ils veulent, procès en diffamation. Mais malheureusement, le temps nous donne raison. J'ai été interdit, incarcéré au Sénégal, j'ai été incarcéré et interdit dans différents pays. La plupart des présidents qui nous ont persécutés ont connu, suite aux diverses manifestations que nous avons organisées, disons-le avec calme aussi, des coups d'État. Et je n'appelle même pas ça des coups d'État, j'appelle ça des restaurations de l'État. Et vous remarquerez que normalement un coup d'État est impopulaire, mais dans les pays du Sahel, la plupart de ces prétendus coups d'État ont été portés de manière massive par le peuple. Il y a eu des liesses populaires après justement ces coups d'État qui sont pour moi des restaurations de l'État. Et les dirigeants qui ont succédé aux présidents corrompus nous ont tous reçus avec amour, fierté, dans leur chancellerie, et dans leur palais présidentiel. Ça veut pour moi dire beaucoup de choses. Donc, notre combat, il est clair. Notre combat, il est simple. Et c'est ça, le panafricanisme, unir les diverses formes d'africanité, malgré leur très grande diversité parfois. Mais elles sont pas plus diverses que le normand, ou le breton, ou le flamand et le corse. Parce que les gens disent, mais quel est le point commun entre un Camerounais et un Sénégalais? Et moi qui connais bien la France, je rigole souvent quand je vois les divergences et les différences qu'il y a entre un corse et un flamand. Que chacun balaye devant sa porte.
C'est ce que je pense profondément. Donc pour bien comprendre, l'objectif de ce combat politique, hein, vous me dites si je me trompe, c'est d'aboutir quand même à une union des pays africains, on peut dire ça ? C'est ce que Sankara voulait, c'est ce que Patrice Lumumba voulait, c'est ce que Kwame Nkrumah voulait, c'est ce que Kadhafi voulait, parce qu'on pense qu'il est nécessaire d'agir tel un bloc civilisationnel pour pouvoir se faire respecter dans ce monde. Alors une petite question qui fâche, sur quelle base le panafricanisme se construit-il ? Est-ce que c'est sur la haine de l'Occident, comme le dénoncent souvent les opposants à ces courants panafricains ? Les opposants à ce courant sont bien souvent sponsorisés par l'Élysée ou les chancelleries occidentales. Mais c'est faux, ça. Non, mais c'est une ineptie. Nous, on a de haine contre personne. Non, mais c'est bien, mais tout à fait, c'est mis au point. Tout à fait, monsieur. Donc, vous dénoncez et ça. C'est vous pas savez, une bonne analyse. Non, c'est une contre-vérité absolue et je ne peux pas me sentir aussi proche du prolétariat français que je connais très bien parce que je suis né en France. Et à Strasbourg, c'est ça, je crois, non ? Ouais, mais j'ai vécu, je ne connais même pas la ville. J'y suis né, mais je l'ai quitté, j'avais un an et demi. Donc, je n'ai pas de souvenir de cela. J'ai vécu la plupart de ma vie en région parisienne. En tout cas, j'ai vécu de mes 14 ans jusqu'à mes 30 ans en région parisienne et les 11 dernières années en Afrique. Mais plus largement, Kémi Séba, pourquoi je vous pose cette question ? Parce que justement, vous le dénoncez chez les autres, donc on peut se permettre aussi de vous interroger là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, peut-être à l'insu de votre plein gré, hein, en parlant ainsi d'essentialiser l'Afrique et donc de donner raison quand même, dans une certaine mesure, au discours raciste ? C'est quoi le discours raciste ? C'est de dire que chaque peuple a un bloc civilisationnel qui a diverses branches, mais qu'on a, on a tous un tronc commun et que... C'est quoi d'ailleurs ? Voilà, qu'est-ce qu'on prend en commun, les Africains ? Si on devait aller jusque... sans faire de généralité. Je vous encourage à lire un livre. Non, mais moi, on parle de continent, donc... Moi, je dis, quand je parle des Corses et des Flamands, que ceux qui ne comprennent pas l'unité des uns et des autres devraient s'interroger sur ce qui les relie entre eux. Mais il y a des choses qui les relient entre eux. J'ai juste à poser deux séquences pour vous montrer que chacun devait balayer devant sa porte avant d'aller chercher les différences chez les autres. Mais il y a des points communs entre eux. Et maintenant, les Africains, je vous recommande un livre qui est magnifique et extraordinaire, qui s'appelle « Nation et agriculture », d'un historien qui s'appelle Sharon Tasio, d'accord, et qui a résumé avec une profondeur historique sociologique et une réalité aussi d'études paléontologiques, les différentes racines communes qu'il y avait entre les différentes entités négro-africaines présentes sur le continent africain de manière générale. Et donc il y a des points communs évidents, que ce soit sur le terrain linguistique, sur le terrain culturel, sur le terrain de la manifestation même des spiritualités endogènes. Il y a trop de similitudes pour ceux qui prennent la peine de se pencher sérieusement sur ces réalités. Sauf ceux qui ont tout intérêt à ne voir que des divisions, parce qu'ils savent que s'il y a unité, cela risque de réduire leur marge de manœuvre en réalité. Et c'est pour ça que le panafricanisme est autant diabolisé en Occident et paradoxalement aussi populaire sur le continent, de l'avis même des autorités françaises qui ont du mal avec ce courant qu'ils qualifient de populisme à l'africaine, mais qui est en réalité un langage qui parle aux masses africaines, parce que les masses ont cette volonté d'unité, contrairement à nos présidents qui veulent vivre à la tête de petits précarés qui sont tous morcelés et tous contrôlés, cooptés par l'oligarchie occidentale. Et parlons justement de ce sujet aussi sensible de la colonisation. D'abord, le regard que la France a porté dessus a été beaucoup critiqué, évidemment. On dit souvent que c'est la colonisation qui a créé artificiellement les États d'Afrique, que l'Afrique est bien plus myriade de peuplades, voire de tribus qui ne forment pas une nation. Et les gens ont des propos, en effet, assez... Ils ont le droit d'avoir... Moi, pareil, je fais partie des gens qui ne se rentreront dans aucune hystérie vis-à-vis de la perception de gens qui ne vivent pas. Quand même un acte de contrition de la France, hein, quand même, sur beaucoup de... Je m'en moque, en toute sincérité. D'accord. Je ne me lève pas le matin en me disant, est-ce que la France, ceci... Non, je n'ai pas ce regard-là. Encore une fois, mon problème, c'est l'élite, ses actions passées, présentes, pas la France dans sa globalité et le peuple dans sa globalité. La France peut penser que oui, elle a contribué à ceci ou quoi. Moi, je dis, crime contre l'humanité, il y a eu, mais je ne fais pas partie de ceux qui sont dans une posture historique victimaire. Je pense qu'on est détruit que si on avait réuni de notre côté les conditions pour l'être et qu'il est aujourd'hui temps de nous réapproprier notre destin, en ne comptant que sur nous-mêmes et en faisant marcher notre cerveau pour savoir utiliser à tel ou tel moment des alliances sans jamais les croire éternelles, juste se rappeler qu'elles sont temporelles. C'est là, et temporaire, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Voilà. Selon vous, Kémi Séba, est-ce que la France-Afrique existe encore ? Elle existe évidemment et c'est pour ça que Macron a des sudations et que Monsieur Le Drian... qui a aussi peu de cheveux que moi, a tendance à voir... Vous parliez du Sahel tout à l'heure, dites-nous en plus là-dessus. Mais le Sahel, on sait très bien que l'occupation militaire française, c'est une occupation aussi pour être dans une démarche de sécuriser l'accès aux ressources minières.
africaines qui permettent à la France de se ravitailler sur bon nombre de points. Même des chaînes que je considère comme honnêtes sur certains points, sur certains comme Arte, avaient fait des reportages très éloquents sur ces sujets en réalité. Donc la réalité n'est pas binaire, elle est beaucoup plus complexe et nuancée qu'on peut le dire. L'opération Barkhane, notamment, vous la dénonciez là récemment, elle s'est terminée il y a quelques semaines. Pourquoi vous avez dénoncé cette opération ? Monsieur, quand des gens qui ont contribué à déstabiliser votre sous-région viennent après jouer les pompiers, c'est eux qui ont contribué à détruire l'oligarchie française et les élites occidentales, la Libye, qui a dérégulé la sous-région, qui a déstabilisé la sous-région. Ceux qui ont détruit, qui ont mis le feu dans votre jardin, vous disent maintenant qu'ils veulent sécuriser votre maison. Et on se rend compte que malgré qu'ils ont mis le feu dans votre jardin, les flammes rentrent, ils sont tous dans votre maison, eux sont en train de se servir sur vos ressources, hein, comme l'or à Kidal, comme un certain nombre de ressources qui sont présentes là-bas. Et vous pensez que nous, on va estimer que des gens qui ont contribué à déstabiliser notre sous-région, qui n'ont en rien enrayé la menace qu'ils disaient vouloir combattre, au contraire, comme le dit le Premier ministre que je salue profondément, Chokel Maïga, ils ont contribué parfois à armer certains groupes, entre guillemets, terroristes, malgré le refus des armées. Là, vous y allez fort, mais non, pardon, vous dites souvent que la France est responsable du terrorisme. Non, mais vous l'avez dit, Camille Sebag, que la France est responsable du terrorisme en Afrique. Monsieur Morillo, ouais. Le Premier ministre malien, qui a plus d'autorité pour répondre de ces questions que moi, ou mon cher frère, le président Assimi Goïta, que je salue, d'accord, ou le ministre de la Défense, et que je salue aussi, Sadio Camara, vous diront ce qu'ils savent pour l'avoir vécu, avoir été dans ces pourparlers-là, dans ces réalités-là. Oh, je ne salue pas le président du Bénin. Comment ? Non, c'est une parenthèse. Ah non, moi je ne le salue pas, parce que le président du Bénin est un pilleur et est un dépouilleur, on aura l'occasion d'y revenir après. Mais je dis, par rapport à ces entités, qu'elles-mêmes vous témoignent, elles l'ont fait dans les chaînes nationales maliennes que vous ne regardez sans doute pas, autant que nous, et je ne peux pas vous en vouloir, chacun son atchéqué ou son frit s'était caché. Leur réalité, c'est qu'ils ont concédé que l'armée française avait tout fait pour désarmer l'armée malienne, pour que celle-ci... Moi, j'avais tendance naïvement à penser que la France luttait contre le terrorisme. Mais excusez-moi, Camille Sebag. Je ne peux pas vous en vouloir de regarder tout le temps Hanouna. J'espère qu'un jour, vous changerez. Voilà. Bon. Est-ce que vous pouvez nous définir, là encore, un peu de pédagogie précisément, ce qu'est le néocolonialisme, Camille Sebag ? Comme son nom l'indique, je suis un amoureux de l'étymologie, néo-nouveau, évidemment, et colonialisme, évidemment, la volonté de piller, de gérer, d'administrer, de tirer ressources justement des terres que nous occupons d'une façon ou d'une autre. Le colonialisme avait cette réalité que c'était directement les entités occidentales qui contrôlaient directement le processus de spoliation, là où le néocolonialisme, comme l'explique Frantz Fanon, a laissé des intermédiaires endogènes, d'accord, qui sont en cooptation et qui sont en concubinage incestueux, ça ce sont mes propos, avec l'oligarchie exogène. Et le génie du néocolonialisme, c'est qu'on a l'impression, certes, plus maintenant, mais pendant les années, ça a été le cas, qu'on était libre parce que, entre guillemets, les élites occidentales étaient moins visibles à l'œil nu sur nos sols, alors qu'en réalité, elles ont juste fait de la sous-traitance vis-à-vis de nos élites africaines, qui sont les élites sans doute les plus corrompues de la planète. Je pense qu'on peut le dire aussi avec simplicité. Et je sais de quoi je parle pour les combattre avec notre ONG régulièrement, d'accord ? Et le néocolonialisme peut se résumer de cette façon-là. Camille Sebag, vous avez écrit plusieurs livres, hein, qui ont été très remarqués, hein, dont Supra Négritude en 2013 et L'Afrique libre ou la mort en 2018. Est-ce que vous pouvez nous en livrer en quelques minutes ? Ça va pas être facile, mais quand même la substance générale. La substance générale, mon Supra Négritude était très lié à mon enfance, la genèse de mon engagement politique. Là où L'Afrique libre ou la mort parle véritablement concrètement. Vos maîtres, c'était qui ? Moi, je n'ai que Dieu comme maître. C'est très important de le dire. Et je me méfie des gens qui donnent le nom de maître à tout bout de champ. Par contre... des modèles. Voilà. Des sources d'inspiration. Évidemment, Thomas Sankara. Évidemment, Patrice Emery Lumumba. Et celui qui a été probablement le plus responsable du début de mon engagement politique, le docteur Khalid Mohamed. Voilà. Il était un militant panafricaniste de la fin du XXe siècle, très profond, et qui avait une vision du monde aussi bien politique que métaphysique, très ancrée. Voilà. Alors, on ne peut pas s'empêcher, avant de finir, quand même, de vous poser une question.
évidemment essentiel, puisque vous l'avez dit, vous êtes né, vous avez grandi en France, et puis vous êtes passé par d'autres pays. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que dans quelques temps, vous allez repartir en Afrique pour à terme revenir au Bénin, à Cotonou. Cotonou, je rappelle, donc la capitale du Bénin, pour les gens qui nous regardent. Pourquoi, de manière générale, vous avez quitté la France pour aller vivre à Cotonou, Kelmi Séba? Parce que je pense qu'un arbre sans racines ne tient pas, qu'un lion dans un marécage ou dans un océan ne devient pas un poisson, dans un océan pour être précis, et qu'on a tous besoin d'être liés d'une façon charnelle ou idéologique, peu importe, à son foyer civilisationnel. Et plutôt que de chercher un communautarisme, à mon avis, léger ou illusoire dans une contrée qui n'était pas la mienne, j'estimais qu'il était plus logique de vivre entouré des miens en Afrique, aussi bien dans les Caraïbes, où je suis très fréquemment, et où je me sens profondément bien, on a une grosse influence aussi dans ces contrées. Et voilà, c'est la démarche qui est la mienne, ce qui ne signifie pas que je pense que tout le monde est obligé de suivre ce schéma-là. Je pense que le panafricanisme, c'est une idéologie de libération de notre peuple qui est née dans la diaspora, c'est important de le dire, parmi des afro-descendants, et qui s'est implantée, qui a eu du succès par la suite sur le continent. On en est la manifestation actuelle, contemporaine, mais ça ne veut pas dire que nous en sommes les créateurs et les fondateurs, évidemment. Et être entouré des nôtres, il n'y a pas de bonheur le plus grand. Voir mes enfants être éduqués dans un paradigme qui est le leur, il n'y a rien de plus beau et de plus profond, c'est important. Et je pense qu'on gagnerait tous s'il y avait moins de pillage des ressources. Je pense qu'il y aurait, s'il y avait moins de migration des richesses, non autorisées d'ailleurs, d'un sens vers l'autre, il y aurait moins de migration humaine aussi des populations. Alors je le disais, vous êtes très critique, pour pas dire extrêmement critique envers le président actuel. Vous aimez les superlatifs. Du Bénin. Oui, parce que là, je pense qu'il y en a même. Non, je pense que vous vous trompez, mais non, vous n'êtes pas trop critique. Je suis profondément envers le président du Bénin. Si je vois un mafieux, je ne vais pas dire que c'est un jardinier. Vous vous rendez compte du propos que vous tenez? Non, là, c'est un mafieux. C'est un mafieux politique. Alors, encore une fois, c'est un propos qui n'engage que vous, mais ça. N'inquiétez pas, vous n'aurez pas de procès. Non, non, mais c'est pour dire qu'il a été légitimement. Détendez-vous, monsieur. Non, non, mais je suis très détendu. Quoique, c'est vrai que. A priori, quelques invités m'ont occasionné quelques tracas, mais j'en parlerai dans les quelques jours. J'aimerais savoir, à un moment donné, quand on a des convictions, c'est bien aussi de les mettre, peut-être de s'emparer du bateau. Oui, et pourquoi ne pas vous porter candidat à la présidentielle au Bénin si... Je vais vous répondre. Déjà, la première chose... Dénoncer, c'est bien. Agir, c'est plus souvent difficile. Je pense qu'on agit plus que beaucoup de dirigeants politiques, d'où l'influence politique que l'on a. Questionnez-vous sur le pourquoi notre... Même si je n'aime pas ce terme, parce que ça ne veut rien dire, on n'est pas des chanteurs ni des artistes, mais notre influence ou notre popularité, qui est un terme vulgaire à mon sens, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui en Afrique, de très loin supérieure à la plupart des dirigeants d'Afrique francophone. Vous êtes-vous posé cette question? Si on n'était que des dénonciateurs, non. On a des programmes d'action sociale, mais on nous invite rarement pour parler de ça, d'accord, des programmes sociaux intitulés... Vous êtes financé par qui? Par diverses entités, par des opérateurs... Ah ben ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez mettre transparent? J'en parle dans tous mes livres. Mais, ouais, mais là, nous leur dire... Non, non, mais dites-les. Je vais vous répondre. Ouais. Soyez en paix, il n'y a pas de secret ou quoi que ce soit. On a différents opérateurs économiques africains qui sont portés par le message panafricaniste que nous diffusons et qui pensent qu'il est important, en effet, que la structuration économique et politique de nos pays change. Il y a des souverainistes parmi certains opérateurs économiques. On a un certain nombre, j'ai cette chance, parce que notre voix porte, de toucher un certain nombre de sportifs africains ou afro-descendants de haut niveau, de footballeurs, de boxeurs, certains champions olympiques, je ne citerai pas, etc., qui... Anelka, non, je crois. Oui, mais ça fait très longtemps, Nicolas, ça fait un bout de temps que s'il n'est plus dedans, il y a des sportifs aujourd'hui beaucoup plus actuels, et qui... mais je salue Nicolas, évidemment, c'est des sportifs footballeurs c'est un ami, actuels. Oui, ami, c'est un grand mot, mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenus. J'ai des vrais amis, par contre, footballeurs qui jouent dans certains gros clubs aujourd'hui en France, en Angleterre. Je ne vais pas vous citer parce que aujourd'hui, si notre voix est populaire parmi les masses africaines, elle est très diabolisée parmi les médias occidentaux. Donc, vous pensez que ça pourrait leur causer du tort? Ça a pu causer du tort à certains, et moi, je veux sécuriser nos soutiens. Donc, la démarche n'est pas de les exposer. Mais donc, les cacher aussi, paradoxalement. Non, les sécuriser, c'est cacher, c'est pas systématiquement. Bah, si, parce que du coup, ça veut dire que vous dévoilez pas leur identité. Mais c'est les protéger parce qu'ils sont
peut-être dans des clubs où leurs employeurs pourraient ne pas forcément apprécier les postures politiques qui sont les nôtres. Et ce n'est pas grave, la vie continue. L'essentiel, c'est qu'ils nous soutiennent. On a aussi, et ce n'est un secret pour personne, eu des soutiens de pays comme Cuba, à une certaine époque, logistique, pas si lointaine d'ailleurs. On a eu le soutien au Venezuela, on a eu le soutien… Je vous dis très clairement, les seuls soutiens que j'ai eu d'Iran, ce n'est pas un secret, ça a été, il faut que je fasse attention à mon micro, les seuls soutiens que j'ai eu d'Iran, ce n'est pas un secret, ça a été des billets qui ont été payés pour peut-être 2 ou 3 voyages pour nous soutenir. Voilà. Et ce n'est pas un secret. Et je ne le remercierai jamais assez pour ces cadeaux-là. C'est déjà pas mal. On a eu aussi en Russie des gens qui nous ont soutenus à certains moments pour des billets d'avion parce qu'ils estimaient que le combat souverainiste que nous menions contre l'hégémonie d'Occident était intéressant pour eux. C'est un secret de Polichinelle. Nous sommes dans une multipolarité géopolitique. Et donc, les pays que je viens de citer, Cuba, Iran, Venezuela, Russie, juste pour finir, sont des partenaires qui ont été des partenaires ponctuels, temporaires, mais aucun d'entre eux n'est éternel. C'est nous, c'est l'Afrique. Et c'est Dieu qui est éternel en priorité, et nous voulons que l'Afrique aille le plus loin possible, en réalité. Bon, on arrive vraiment au terme de cette émission. Ça a été plus court, l'Afrique, hein. Vous voyez, mais non, mais pas forcément, vous verrez. Malheureusement, mais. Non, vous verrez. En revanche, je parlais de Malcolm X, la comparaison est quand même. Je me reconnais pas, beaucoup de gens le font. Vous aviez eu un prix, je crois, vous n'avez pas été chercher un prix aux États-Unis, alors ça, j'ai pas bien compris. Vous avez décidé de pas y aller, Le dernier prix que j'ai eu, c'est en décembre de l'année dernière au Cameroun, où. J'ai été élu leader d'opinion panafricaniste des dernières années pour notre combat politique. Et aux États-Unis, il n'y a pas un prix aussi qu'on vous a déjà... J'ai eu un prix aux États-Unis, le MIPAD, Most Influential People of African Descent, qui récompensait notre combat panafricaniste. Et je n'ai pas été parce que soit très clair. Même le prix au Cameroun, je me suis déplacé par amour parce que le Cameroun, c'est une contrée africaine que j'aime profondément, comme la plupart de nos, comme tous nos pays. Mais j'ai refusé le prix. Voilà, c'est juste que je me suis déplacé aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas un pays que j'apprécie particulièrement. Et je ne vais pas me déplacer, même si j'aime profondément notre peuple qui est là-bas et beaucoup nous aiment là-bas. Mais je ne vais pas me déplacer pour aller dire que je ne veux pas prendre un prix. Les États-Unis représentent ce que je n'aime pas politiquement, ce que je n'aime pas culturellement, ce que je n'aime pas sur un certain nombre de points. Et philosophiquement, c'est un pays qui me donne le dégoût sur bon nombre de points. Et même si j'aime en crever mes semblables là-bas et beaucoup nous aiment et nous portent, énormément, nous supporte pour certains même, mais je ne me vois pas me déplacer là-bas. Je n'ai plus rien à y faire depuis un certain nombre d'années et je l'assume en toute tranquillité. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat final du Bénin, mais si au final, vous pouvez porter des propos aussi critiques envers le pouvoir en place, est-ce que ce n'est pas justement le signe aussi d'une démocratie assez saine ? Vous êtes sûr, mais vous ne savez pas toutes les censures Donc vous prenez un risque en y retournant alors ? Mais j'en prends des risques tout le temps. Ici même, on est surveillé constamment. Partout où je vais, il y a toujours… En France ? Ouais. Non, mais c'est intéressant, ça. Non, mais bon, c'est pas... Moi, je suis pas quelqu'un qui aime m'étendre. Vous savez, je suis rentré dans un combat politique il y a 20 ans. J'en connaissais les règles. Je ne suis pas lancé de manière hasardeuse dedans. Vous avez subi, pardon, depuis cette vidéo qui donc a entraîné cette invitation et votre venue dans cette émission, depuis cette vidéo, cette courte vidéo Instagram, vous avez subi des menaces, des pressions ? C'est une vidéo Facebook à la base, qui était reprise sur Instagram. Mais en effet, vous l'avez vu, j'ai compris, vous l'avez vu sur Instagram. Il n'y a aucune pression. Je ne conçois pas les choses en termes de pression, parce qu'il n'y a rien qui peut me faire pression. Quelqu'un qui a été mis en prison à plusieurs reprises et qui en ressort toujours plus debout, ce n'est pas quelqu'un qui connaît le mot pression. Mais il y a des surveillances qui sont très présentes, très pressantes. Menace, non ? Pour me menacer, il faut quand même être courageux. C'est pas de cette façon-là. On peut essayer de m'attaquer de diverses façons, mais c'est pas les menaces qui me... Je sais pas qui peut me menacer. Vous êtes protégé de manière... Non, mais vous êtes protégé, je veux dire, vous avez un service de protection qui vous escorte ? Non, mais j'ai une équipe, et même si je me balade seul, vous allez faire quoi ? Ou ils vont faire quoi ? Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, mon garant, c'est Dieu. Mon parapluie, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est le Seigneur des mondes. L'unique qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, c'est ma certitude, c'est ma conviction. Et c'est ce sur quoi je m'appuie profondément. D'accord. Bah écoutez, Kémi Séba, avant de terminer, juste un mot, la présidentielle. Oui. Vous m'avez dit pour le Bénin, c'est très important. Ouais. Ah bah oui. Parce que c'est important. Il y a diverses façons de faire de la politique. D'accord ? Il y a la politique, la participation de la vie de la cité au niveau citoyen. Et il y a la politique au niveau institutionnel. Ce que nous faisons aujourd'hui en termes de métapolitique et de politique citoyenne,
a une influence, à mon sens, bien plus grande dans la sous-région que si j'étais incarcéré uniquement au giron d'une seule contrée. Donc je suis béninois de fait par mes parents, père béninois, mère d'héritage afro-descendant brésilien qui est revenu au Bénin, d'accord ? Je suis béninois, mais je suis africain. Et je me sens préoccupé par toutes les problématiques qui touchent notre continent africain dans sa globalité et sa diaspora. Peut-être, je n'ai que 40 ans, viendra le jour, viendra le jour où j'aurai plus de poils blonds et je déciderai peut-être d'aller sur la voie institutionnelle. Et puis vous confrontez peut-être à l'élection. Mais l'élection, vous savez, l'élection, c'est quand une masse de gens décide de voter. Enfin, on vote, en tout cas. Tout à fait, ils votent. Mais aujourd'hui, on a d'autres façons de montrer l'adhésion des uns et des autres aux gens. Je regarde de manière et constate en souriant beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont d'ailleurs remis beaucoup de médias traditionnels à leur place, qui sont parfois obligés d'investir beaucoup d'argent pour avoir une fan base, comme on dit, parce qu'ils savent que c'est important le nombre, ils le savent très bien. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais mis un centime, c'est vérifiable, sur quelconque réseau social, mais je ne connais pas de président africain qui sont plus suivis que nous. Ça devrait faire réfléchir. On est suivi par 1 million de gens. Sans passer sur BFM, France 24 ou quoi que ce soit. Les mobilisations que nous faisons en Afrique, ce sont des mobilisations de masse dans tous les pays où nous avons. C'est plusieurs milliers de personnes systématiquement que nous réunissons. Je pense qu'en termes d'élection et de sélection, le peuple a déjà dit un certain mot. Et en parlant de mots, justement, là on est en France, donc c'est quand même l'actualité aussi de la présidentielle qui arrive, que cette élection se joue notamment, principalement, en tout cas que ce soit mis au centre du débat public sur les thématiques de l'immigration et de l'islam. Vous voyez forcément à qui je fais allusion, ça vous interpelle, ça vous étonne même pas? Non, ça vous... ça m'étonne pas et j'ai envie de vous dire que chacun fait ce qu'il veut. La France est un pays majoritairement de droite. On a aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même que le pays, non, mais c'est un constat, c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Bah, en l'occurrence, les différents présidents qui, oui, enfin, à part. Dites-moi un président de gauche qui a eu ces dernières années. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est de droite, donc oui, vraiment. C'est intéressant. C'est la gauche, en effet. C'est la gauche. En fait, on est arrivé à un stade aujourd'hui où. Non, mais c'est vrai que. Où le clivage politique n'est plus aussi clair. Où le courant néolibéral le plus antisocial, parce que c'est ce qu'est Macron, un casseur social, hein, un casseur antisocial, il est présenté par la gauche tellement le curseur politique de la France a été renversé. On a comme deuxième candidate crédible selon les sondages d'opinion qui d'ailleurs un jour faudra s'interroger sur la pertinence de ces outils politiques parce que je ne sais pas comment on peut interviewer 100 personnes ou 200. Le fait que Christiane Taubira n'ait pas eu ses parrainages, ça vous a... Ça me préoccupe même pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est indépendantiste au départ et qui devient républicaine, pro, je ne sais trop quoi, et je ne rentre pas dans les détails pour éviter d'autres procès. Christiane, je l'aime beaucoup, c'est une extraordinaire oratrice, mais politiquement, c'est pas chez elle que j'irai mettre mes œufs. Je les mettrai d'ailleurs chez personne en France, que l'on soit très clair. Et la couleur de peau, je le dis et je le répète, n'est pas une opinion politique. Et vous lui parliez à Christiane Taubira? Et je me sens plus proche, en toute humilité, de son mari, M. Delannon, indépendantiste jusqu'à aujourd'hui, que de Christiane Taubira, ex-indépendantiste devenu, malheureusement, un jouet politique de la République française. C'est mon point de vue et je l'assume, même si je le dis, c'est une extraordinaire oratrice, c'est une femme sublime, c'est une maman que j'aime beaucoup humainement pour ses vertus. Si je vois Christiane Taubira être agressée, je serai le premier à aller la défendre, pour beaucoup de raisons qui m'appartiennent. Mais politiquement, j'ai le droit de dire que je ne me sens pas concerné par ce qu'elle dit. Et la vie continue. Et donc, la deuxième, Valérie Pécresse. Troisième personne, candidate potentielle, Marine Le Pen. Quatrième, soi-disant la plus populaire, ou le plus populaire, Éric Zemmour. C'est-à-dire que sur les quatre premiers candidats les plus influents, on a trois candidats. Jean-Luc Mélenchon. Qui est cinquième. Ouais, mais bon, les sondages, vous savez, ça... On est d'accord. Mais je veux dire... Oui, bon, ils montent. On verra les sondages. Mais c'est le seul qui me paraît être, et encore... gauche franc-maçonne, on peut en parler, mais le seul qui me paraît être en effet d'une gauche plus ou moins, je dis plus ou moins crédible, et plus ou moins que plus d'ailleurs, bref, je pense que dans son parti, il y a des gens plus crédibles que lui, mais ça encore, c'est une autre histoire. Donc, la France, dans son paysage politique, est-ce qu'elle est... Non, personne, mais de toute façon, je n'ai pas vocation à voter. Moi, je le dis très clairement, ma réalité politique se situe ailleurs. Maintenant, je regarde la France parce que, évidemment, le président français, qui pour moi sera Emmanuel Macron, pour le prochain mandat, sera celui qui mènera les politiques d'hostilité, de déstabilisation et de pillage de nos ressources sur le continent. Et donc je dois porter un regard attentif sur cette réalité. Mais je pense que quand on arrive à l'Élysée, on sert les intérêts non plus du prolétariat français, mais les intérêts de ceux qui sont les propriétaires du fauteuil élyséen.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, un grand merci, Kémy Séba. Vous avez bien respecté la devise de cette émission, Incorrectible. Donc, en tout cas, on a fait presque 2 heures d'entretien. Donc, vraiment, merci infiniment pour ce... Dans 1h58 pour l'Ukraine, mais... Non, vous verrez. Pas forcément. Vous verrez ça à la rediffusion, j'allais dire. En tout cas, merci infiniment. Moi, je pense qu'il était, et je le dis, puisque j'ai subi beaucoup de critiques avant de pouvoir... Enfin, avant de choisir de tenir ma parole et puis de le souhaiter, de vous inviter. Donc voilà, je dis simplement aux gens que ça pourrait choquer ou étonner, que je trouvais qu'il était normal dans le contexte actuel où la voix que vous portez n'est évidemment pas majoritaire, de vous donner la parole pour l'exprimer. Ouais. Je sens vous couper pas majoritaire dans les espaces médiatiques français. Oui, mais en termes d'influence aujourd'hui, en termes de gens qui répondent à notre parole, elle est quand même très audible. Eh bien écoutez, voilà, c'était une des raisons donc, pour lesquelles je trouvais normal que vous puissiez avoir la parole. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, merci d'être, je le disais, chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre dans Les Incorrectibles. On se retrouve évidemment très vite pour parler de sujets incorrectibles. Et comme je le dis aussi chaque semaine, surtout restez incorrectibles. Bye bye.